Je voulais présenter assez rapidement Nabil pour dire bah, déjà qu'il est directeur de recherche au CNRS. Il est membre du laboratoire clé de Toulouse, cognition, langage, ergonomie. Alors Nabil a participé depuis plus de 20 ans au renouveau des morphologies en France, mais aussi à l'international. Il est l'un des premiers à avoir apporté un regard neuf sur la discipline, en particulier en lui faisant profiter des avancées en matière de linguistique de corpus, de traitement automatique des langues et de sémantique distributionnelle. Il a donc contribué au mouvement qui s'est initié environ à la fin des années 90 et au début des années 2000, au mouvement de remise en question des modèles de représentation des relations morphologiques dérivationnelles comme relevant de la concaténation de morphèmes selon des règles génératives, alors qu'à ces époques-là, ces approches concaténatives constituaient une bonne part des études en morphologie, depuis d'ailleurs le début du structuralisme jusqu'à nos jours. Et certains courants maintiennent, notamment ceux de la morphologie distribuée, maintiennent cette approche concaténative. Mais cette remise en question s'est accompagnée d'une autre bascule plus récente vers des approches paradigmatiques qui permettent de représenter beaucoup plus largement notamment les relations, les régularités dérivationnelles au sein du lexique pour prendre en compte des relations qui ne sont justement pas forcément concaténatives ou systématiques entre forme et sens. Alors en outre, Nabil a été un grand créateur de ressources lexicales, constituées notamment de la collecte de données extensives et authentiques issues du web, et ce à une époque où prévalait encore une tradition d'analyse en morphologie à partir de données soit lexicographiques, soit construites. Et ces ressources sont aujourd'hui largement exploitées par la communauté. Alors, tous ces travaux, là, depuis plus de 20 ans, ont conduit Nabil à proposer plusieurs formalismes de représentation des relations morphologiques dérivationnelles, notamment en relation avec Fiametta-Namur, dont l'un de ces formalismes assez récent, très récent, qu'il présente aujourd'hui. Et je lui donne la parole. Merci Florence, et donc je voudrais vous remercier pour l'invitation donc à présenter mes travaux et nos travaux plus exactement avec Fiametta à ce séminaire. Donc en fait, comme vient de le dire Florence, il y aura deux parties, une partie plutôt sur des aspects un peu théoriques et une partie plutôt sur des aspects un peu plus computationnels. Et donc en fait, la partie théorique a été traité essentiellement avec Fiametta-Namur, qui justement, comme elle est présente elle est présente ici, elle pourra intervenir si jamais, donc Fiametta, si tu n'hésites pas à compléter, à corriger, s'il y a des choses que tu veux ajouter, voilà, il y a sans toi libre d'intervenir à tout moment. Donc les travaux que je présenterai dans la deuxième partie ont été réalisés en collaboration avec Basilio Calderon, avec Franck Sajous et avec Fiametta également. Donc, ça sera la deuxième partie. Bien, donc je vais commencer ce séminaire par la partie théorique qui, en fait, est centrée autour de la description de la morphologie dérivationnelle avec des paradigmes. Donc, en fait, je vais organiser cette première partie de l'exposé en trois parties qui répondent en fait à trois questions. La première question, c'est est-ce qu'on peut le faire ? La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut le faire ? Et la troisième, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire, donc de décrire la morphologie en utilisant des paradigmes. Donc le postulat de départ de ce travail, c'est que la morphologie est unique et à la fois donc la morphologie flexionnelle et dérivationnelle forment un tout et donc utilisent les mêmes types d'objets, sont structurés de manière identique. Donc c'est un peu un des principes qui guide l'ensemble de ce travail. Donc
étant donné que la morphologie flexionnelle est paradigmatique, et en tout cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus admis par l'ensemble des chercheurs en morphologie, et que l'on a bien vu dans beaucoup de travaux l'apport que ça, l'intérêt de décrire la morphologie flexionnelle en utilisant des paradigmes. Donc, étant donné ce prémisse, la conclusion, c'est que la morphologie dérivationnelle est elle-même tout aussi paradigmatique dans la mesure où la morphologie est unique. Alors, donc, en fait, donc, le point de départ, en tout cas le point de comparaison de tout ce travail, c'est les paradigmes flexionnels. Donc, parmi les raisons qui font que la morphologie flexionnelle est paradigmatique, on peut le décrire ce fait par le fait que en fait les mots fléchis peuvent être réunis dans des lexèmes. Donc par exemple on pourra avoir les formes fléchies, donc lave, lavons, laver, lavera, lavions, vont toutes former un lexème lavé. Donc ça donc tous les mots toutes les formes fléchies les formes peuvent être réunies dans des lexèmes. Par ailleurs, tous les lexèmes d'une même catégorie grammaticale ont le même nombre de formes fléchies. Donc ça, c'est le premier point qui fait qu'on peut être paradigmatique. Le deuxième point qui fait qu'on peut être paradigmatique, c'est que les formes fléchies d'un lexème sont identifiées par des traits morphosyntaxiques qui sont les mêmes pour tous les lexèmes d'une même catégorie. Le troisième point, c'est que les formes d'un lexème sont normalement interprédictibles. Donc en fait, si je sais par exemple que laveret est la forme à la première personne du singulier du futur de l'indicatif de laver, alors je peux prédire que laveront est la forme à la première personne du pluriel du futur de l'indicatif de laver, et réciproquement. Donc en fait, on voit que si je connais et là en l'occurrence, si je connais le contenu d'une des cellules du paradigme, donc si je connais sa valeur, alors je peux prédire d'autres cellules du paradigme. Donc si je connais la valeur donc de la cellule première personne du singulier de présent de l'indicatif du verbe laver, alors je peux prédire la forme de première personne du pluriel du futur d'indicatif du verbe laver. Et donc ces relations d'interprédictivité à l'intérieur du lexème sont également ce qui permet de faire en sorte ce qui permet de décrire la morphologie flexionnelle en utilisant des paradigmes. Donc la prédiction entre les cas des deux formes dépend de la classe flexionnelle. Donc là, c'est des verbes du premier groupe, et donc en fait la prédiction doit tenir compte de ce fait-là, et également des cellules, c'est-à-dire des propriétés morphosyntaxiques qui identifient ces cellules au sein de leur lexème. Alors, les paradigmes flexionnels peuvent être représentés en général dans des tableaux. Donc, c'est comme ça ce qu'on le fait souvent. Et donc, en fait, par exemple, pour un verbe, on va avoir un tableau, quoi, un paradigme de 51 colonnes. Pour un adjectif, on aura 4 colonnes. Pour un nom, donc là, pour l'adjectif, ce sera masculin, singulier, masculin, pluriel, féminin, singulier, féminin, pluriel. Pour les noms, on a le singulier et le pluriel. Des adverbes, il n'y a qu'une seule case dans le paradigme, avec une seule colonne dans le paradigme. Et pour les verbes, on a ces 51 colonnes qui correspondent en fait à tous les croisements possibles entre le temps, la personne, le mode, voilà, et le nombre. Voilà. Donc par exemple, en fait, on peut avoir un tableau comme celui qui est ici, qui va représenter le paradigme des verbes du premier groupe, donc comme laver, casser, éclairer, saluer. Donc en fait, on voit que on a donc là, chacune des formes constitue des formes fléchies est une cellule du paradigme. Et donc, ces cellules sont identifiées ici par des étiquettes morphosyntaxiques. Donc là, j'ai réutilisé des étiquettes grasses, mais en fait, bon, c'est juste par commodité, parce qu'en fait, c'est le genre d'étiquette que j'utilise habituellement. Mais donc, on pourrait mettre n'importe quelle étiquette ici. Donc, les lignes, elles, correspondent donc en fait à des lexèmes. Et donc, en fait, pour le lexème lavé, on va avoir ici 51 formes différentes qui correspondent donc aux 51 aux combinaisons de traits morphosyntaxiques qui définissent ces formes-là. Voilà, donc ça, c'est pour le paradigme flexionnel.
Donc, je sais, c'est quelque chose qui est relativement connu, mais donc c'est important quand même de le rappeler. Donc, la question, c'est peut-on décrire la morphologie dérivationnelle avec des paradigmes? Et la réponse, en fait, est oui. Donc, la morphologie dérivationnelle traite des relations entre les lexèmes, donc, et non plus comme en morphologie flexionnelle entre les formes. Et elle traite également de la construction des lexèmes, c'est-à-dire en fait du fait de pouvoir recréer ou remplir en fait de créer des nouveaux lexèmes. Voilà. Et la réponse est oui, parce qu'en fait on peut établir une correspondance entre les objets de la flexion et les objets de la dérivation. Donc en fait ce qui correspond donc aux formes fléchies en morphologie flexionnelle, ce sont les lexèmes en morphologie dérivationnelle. Et donc ce qui va correspondre donc aux lexèmes en morphologie flexionnelle, ce sont des familles dérivationnelles en morphologie dérivationnelle. Et donc lorsque l'on va de cette manière donc considérer que les lexèmes sont réunis dans le lexique en famille dérivationnelle, alors on va pouvoir ensuite décrire l'organisation définie par ces familles d'une manière paradigmatique. Donc on peut définir réunir donc les lexèmes dans des familles dérivationnelles. Donc, c'est des choses qu'on fait depuis très très longtemps. Donc, parmi les définitions des familles dérivationnelles, une manière de les définir, c'est de considérer qu'une famille dérivationnelle, c'est un ensemble de lexèmes reliés par des relations dérivationnelles. Donc, je reviendrai éventuellement plus tard sur ce qu'on peut. On peut définir relation dérivationnelle comme étant une relation qui implique à la fois une régularité sémantique et une régularité. Voilà, c'est ça. Une régularité sémantique et une régularité de forme. Voilà. Donc lorsqu'on a ce type de relation, on a une relation dérivationnelle et l'ensemble des relations dérivationnelles permet de constituer des familles dérivationnelles. Voilà. Donc, on peut définir ainsi ce qu'est une famille dérivationnelle. Alors, cependant, quand on a fait ça, on n'a pas encore répondu à l'ensemble des questions qui se posent pour pouvoir passer de ces familles dérivationnelles définies, par exemple, de cette manière-là, à des paradigmes. Notamment, on ne sait pas à quoi correspondent les catégories grammaticales qui déterminent le nombre. Donc, ce n'est pas des catégories grammaticales, mais c'est les catégories. Là, j'ai mis grammatical, qui détermine le nombre en fait de lexèmes dans une famille et la composition des familles dérivationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu que les lexèmes étaient organisés en fonction des combinaisons de traits morphosyntaxiques définies pour chacune des classes flexionnelles. On ne sait pas quel est l'équivalent de ces combinaisons de traits morphosyntaxiques pour les familles dérivationnelles. Et globalement, en fait, la correspondance lexème famille dérivationnelle telle qu'elle est définie tout à l'heure, c'est-à-dire l'ensemble des formes des lexèmes qui sont dans des relations dérivationnelles, est probablement trop grossière et ne permet pas de travailler de manière, d'obtenir des paradigmes qui correspondent effectivement à ce à quoi on s'attendrait. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il faudra travailler. Par ailleurs, en fait, ce que l'on va voir, c'est que les familles en fait, dérivationnelles, ou plutôt les familles que l'on doit considérer pour construire des paradigmes dérivationnels, en fait, sont des objets de base du modèle. Ce sont des objets de base dans la mesure où leurs limites doivent être déterminées par le locuteur. Ce n'est pas quelque chose qui est déduit d'autres propriétés. Donc les facteurs qui vont déterminer la composition, la structure de ces familles, et donc par la suite des paradigmes dérivationnels, sont probablement de nature sémantique et ontologique. Et donc, par exemple, on travaille avec Daniel et Sanacor sur l'identification de toutes ces propriétés qui vont nous permettre de voir quelle est la bonne manière de délimiter, de décrire ces familles. Donc, pour décrire donc les paradigmes dérivationnels, donc en fait une manière d'arriver en fait à ce résultat qui est de savoir en gros comment
se compose et qu'est-ce qu'il y a dans ces familles-là et comment est-ce qu'elles s'organisent en paradigme. Une manière de le faire, c'est en fait de se déplacer plutôt du côté de la constitution de ressources et de construire à grande échelle ce type de paradigme. Et lorsque l'on construit à grande échelle ce type de paradigme, cette construction nous amène en fait à répondre à la question de manière pratique de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces familles-là. Une fois qu'on a une première réponse qui est de savoir ce qu'il y a dans les familles, on peut ensuite travailler sur la caractérisation des propriétés qui définissent ces familles. Alors, donc, Bernard Fradin a récemment publié un article dans lequel il apporte un certain nombre d'éléments de réponse en fait à ces questions. Donc, je vous invite à le consulter. Donc, il y a un certain nombre de réponses intéressantes dans cet article-là. Alors, dans les familles dérivationnelles, en fait, comme dans les familles flexionnelles, en fait, on a les relations qui existent entre les lexèmes de la famille dérivationnelle, au fond, qui sont relativement interprédictibles. Par exemple, si je sais que une famille contient un nom en âge comme Lavage, alors je peux prédire également qu'elle va contenir un verbe d'action laver, un nom d'agent masculin laveur, un nom d'agent féminin laveuse, un adjectif de potentialité lavable qui peut caractériser le patient, le lieu, la période, etc. Et donc, cette interprédictibilité qu'il y a, le fait que tous ces mots soient reliés par des relations morphologiques, fait que constitue une sorte de petite famille ou de sous-famille, font qu'on peut dire que en fait probablement laver, lavage, laveur, laveuse vont faire partie d'un même paradigme. Et ce qui va se passer, c'est que ce qu'on voit, c'est que cette régularité, cette interprédictibilité, on va la retrouver à la fois pour la famille de laver, lavage, laveur, laveuse, mais on peut également la retrouver pour casser, cassage, casseur, casseuse, pour éclairer, éclairer, éclairage, éclaireur, éclaireuse, éclaireuse, éclairable, voilà, et souder, soudage, soudeur, soudeuse, soudable. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que on retrouve les mêmes régularités, la même interprédictibilité pour les éléments de chacune de ces familles. On voit que ces familles se superposent, ne serait-ce que, en tout cas au point de vue formel, dans ce cas-là, et que on a des morceaux de famille, en tout cas là, qui vraiment sont bien alignés et forment quelque chose qui ressemble à ce qu'on s'attendrait à avoir comme étant un paradigme flexionnel. Donc, en fait, Sylvain pose une question pertinente qui est: est-ce que Lavelinge est dans ce paradigme? Et donc, la réponse va arriver très vite. C'est justement la diapo suivante. Donc, en fait, on peut décrire les paradigmes, on peut décrire à moins de paradigmes la dérivation. En fait, oui, mais pas les composés. Et en fait, les composés ne font pas partie des paradigmes dérivationnels pour des raisons que je vais présenter. Donc, en fait, ils forment eux-mêmes des paradigmes, mais en fait, ces paradigmes sont différents et donc doivent être décrits de manière séparée. Alors, en fait, un composé est construit à partir de deux lexèmes qui n'appartiennent pas normalement à la même famille dérivationnelle. Donc, par exemple, porte-fenêtre va appartenir à la fois à la famille de porte et à la famille de fenêtre. Et ces deux familles sont disjointes. Donc, en fait, si jamais on gardait la définition précédente que, en fait, une famille, c'est un ensemble de lexèmes, de mots qui sont reliés par des relations dérivationnelles, et que donc on met porte-fenêtre dans la famille de porte et de fenêtre, à ce moment-là, normalement, il faudrait considérer que porte et fenêtre du fait de cette relation via porte-fenêtre, appartiennent donc à la même famille, ce qui n'est pas le cas. Donc, la solution, en fait, ce serait d'inclure éventuellement porte-fenêtre dans les deux familles,
Donc dans les fêtes de famille, alors on peut le faire au niveau des familles dérivationnelles, mais en fait, est-ce qu'on peut le faire dans le même paradigme? En fait, ce ne serait pas forcément une bonne idée, notamment parce qu'on n'a pas d'interprédictibilité entre les propriétés dérivationnelles et cette composition. Par exemple, si je sais que donc porte-fenêtre ne peut pas, la présence de porte-fenêtre dans la famille de porte ou de fenêtre ne peut pas être prédite. Par exemple, dans la famille de porte, en sachant que porte, cette famille contient portier, portière, portail. Donc, si je sais qu'il y a une famille où il y a porte, portier, portière, portail, je ne peux pas prédire normalement que cette famille va également contenir porte-fenêtre. De la même manière, si je sais que j'ai une famille où j'ai fenêtre, fenêtrier, défenestré, je ne vais pas pouvoir prédire que cette famille va aussi contenir porte-fenêtre. Et donc, on n'a pas d'interprédictibilité entre les relations morphologiques dérivationnelles, donc par exemple porte-portier ou porte-portail, et les composés porte-porte-fenêtre. De la même manière, en fait, les composés coordonnés, donc il y a plusieurs types de composés. Les composés coordonnés, par exemple, en fait, sont faiblement prédictifs, c'est-à-dire que si je sais que une famille, le fait de savoir qu'une famille contient porte-fenêtre ne va pas permettre de savoir de décider si elle va contenir des mots comme porche-fenêtre, sortie-fenêtre, barrière-fenêtre ou porte-lucarne, porte-hublot, porte-soupirail. Donc en fait, il n'y a pas de prédictibilité suffisante. Lorsque l'on connaît, par exemple, on sait qu'une famille va contenir un composé coordonné comme porte-fenêtre. Voilà. Et donc de ce fait, ça serait compliqué de considérer que porte-fenêtre va pouvoir s'inscrire dans un paradigme, en tout cas. Voilà. Alors, la prédictibilité, en fait, va être un peu meilleure pour les composés subordonnés. Donc, par exemple, quand on a lave-linge, on peut avoir également lave-vin, lave-main ou lave-bouteille, et on pourra trouver également, par exemple, sèche-linge, sèche-main, sèche-bouteille. Donc là, on voit qu'il y a un fonctionnement paradigmatique qui n'est pas forcément, disons, d'abord, il fonctionne pas forcément de la même manière que pour les dérivations habituelles, donc celles qui sont, par exemple, affixales. Et d'autre part, on voit que c'est compliqué qu'en fait, ces paradigmes on ne sait pas si c'est vraiment des paradigmes ou si c'est de l'analogie qui se passerait entre lave-linge, lave-main et sèche-linge, sèche-main, dans la mesure où en fait, ils sont très peu étendus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait lave-linge, sèche-main et sèche-linge, on va avoir du mal à en trouver, je ne sais pas moi, 10 de plus. Alors que quand on va s'intéresser au paradigme dérivationnel comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on avait vu laver, casser, souder, je ne sais plus ce qu'était le quatrième, mais en fait, on pourrait en rajouter 200 sans aucun problème, alors que là, ça ne va pas être le cas. Alors on va également avoir une prédictivité qui est meilleure pour les composés attributifs, justement parce que là, on a un phénomène d'analogie qui est à l'œuvre et qui marche bien. Donc, on va avoir, si on a roman fleuve, on va pouvoir trouver des choses comme comédie fleuve, tragédie fleuve, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on trouve assez facilement sur le web, en tout cas. Et on pourra également avoir des choses comme un roman éclair, donc une sorte par exemple, une phrase qui serait, voilà, une comédie éclair, une tragédie éclair. Donc, tout ça, c'est des formes qui sont attestées. Donc, j'ai vérifié hier qu'ils étaient bien sur le web et qu'ils veulent bien dire ce qu'on a en tête, c'est-à-dire quelque chose. Par exemple, un roman éclair, c'est une œuvre qui est très courte et qui est un roman. Voilà. Alors, sur la possibilité de décrire la composition sous la forme paradigmatique et donc on trouve dans le même livre que j'ai présenté tout à l'heure, là que j'ai montré tout à l'heure, un article de Alexandra Bagacheva et de Jan Radimski qui discutent de manière un peu plus approfondie ces questions-là. Donc je vous renvoie vers ces deux articles-là, quoi, ces deux chapitres d'ouvrage. Pour sur ce plan-là. Alors, maintenant qu'on a vu qu'on peut le faire, donc on a vu donc avec le tableau ici qu'on a là que a priori c'est quelque chose qu'on peut envisager de réaliser, donc de décrire des paradigmes, de décrire la morphologie dérivationnelle avec des paradigmes. On va se poser la question de comment est-ce qu'on peut le faire.
Donc, une manière de le faire, qui avait été proposée par Bochner en 93, donc déjà il y a assez longtemps, consiste en fait à décrire les paradigmes au moyen de ce qu'il appelle des ensembles cumulatifs et des patrons cumulatifs. Donc, un ensemble cumulatif, en gros, c'est les ensembles cumulatifs, en gros, c'est les paradigmes qu'on a en tête, par exemple, cause, causal, causality, ou emotion, emotional et emotionality. Voilà, ça, c'est des. Ça, on peut en trouver un certain nombre de ce type-là. Et donc, en fait, ces formes-là, ces ensembles constituent un paradigme parce qu'en fait, on peut les décrire au moyen d'un patron cumulatif. Le patron cumulatif, c'est cette structure-là. Donc, en fait, qui décrit en fait chacun de ces lexèmes au niveau formel, catégoriel et sémantique, et qui décrit en fait les relations qu'il y a entre cause causale et causal causality et cause causality et puis emotional et avec emotionality. Voilà. Donc tout ça, c'est peut-être décrit au moyen de ce patron cumulatif. Donc le patron cumulatif dit par exemple que causal se construit par une suffixation en al et c'est pertaining to z. Donc où z, c'est le sens de cause, ou emotional, est construit exactement de la même manière. Alors, ce qui est intéressant dans la proposition de Bochner et qui en fait en fait quelque chose de vraiment très très puissant, c'est qu'en fait on a une description simultanée de toutes les relations qui s'établissent entre les lexèmes de l'ensemble cumulatif. Donc en fait ici entre cause, causal et causality, entre emotional et emotionality. Donc tout ça c'est décrit en même temps et c'est ça qui fait qu'on est à la fois ça forme une famille et un paradigme. Par ailleurs, l'autre point intéressant, c'est qu'en fait, sa description est faite de manière séparée, c'est-à-dire qu'on a une description ici du niveau formel, une description du niveau catégoriel et une description du niveau sémantique qui sont séparées et qui apportent énormément de puissance en fait à ce modèle qui est très simple et très efficace. Alors, un deuxième modèle qui est directement issu du travail de Bochner, c'est celui d'Olivier Bonamy et de Yana Stradanova, donc, qui ont proposé en fait une description des paradigmes comme étant en fait un ensemble de familles alignées. Donc, ici, on voit qu'on a la famille de laver, laveur, lavage, former, formation, formateur, gonfler, gonfleur et gonflement. Donc en fait, ça c'est trois familles. Et donc ce que proposent Olivier et Yana, c'est de les aligner. Donc en fait, selon ici des colonnes en fin de compte. Donc on va avoir une colonne pour les agents, quoi, une colonne, oui, une colonne pour le verbe et une colonne pour les noms d'action. Et donc, en fait, ces pointillés ici marquent en fait l'alignement entre les éléments des différentes familles. Donc, les familles proposées par Olivier et Yana sont des graphes complets dans la mesure en fait, où on a une interprédictibilité complète a priori entre tous ces mots-là. C'est-à-dire que si on sait qu'on a laveur dans ce modèle-là, on sait qu'on a également lavage et laver. Si on a formateur, on a formé et formation, etc. Donc, les lexèmes alignés vont en fait former ici ce qu'on va pouvoir appeler des séries morphosémantiques. Donc ici, on a une série de dérivés d'agents heure. Ici, on a une série de noms d'actions, mais qui présentent une certaine variation, puisqu'on a du age, du action et du ment. Et là, on a une série de verbes. Voilà. Et donc, en fait, cette proposition fonctionne très bien et donc permet également de décrire des paradigmes dérivationnels de manière efficace. Et donc, c'est un article qui commence à être assez connu. Donc, vous pouvez y voir en fait les différents développements ensuite que Olivier et Yana proposent à partir de cette description-là, notamment de la Excusez-moi, séparation. j'entends plus très bien. J'entends plus très bien. Est-ce que c'est un problème de mon micro ou du vôtre? Non, 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 non plus, on n'entend plus Non, ici. Ah non, oui, n'entends plus très moi non bien. plus, j'entends plus très bien. Voilà, Pardon. merci. Et là, vous entendez? Non. Pas très bien. En Moyen, fait, non. il y a beaucoup de variations quand tu parles. Ouais. Ça varie haut bas, haut bas. Pourtant, j'ai un micro là. Donc, je peux essayer de Là, changer c'est de mieux. micro. Là, Ah, c'est c'est mieux. mieux. Non, mais là, c'était mieux tout d'un coup. Ah, là, c'est mieux? C'est pas. Là, c'est Ouais, mieux. ouais, ouais. Bon, ok, désolé. Donc, n'hésitez pas à me le dire parce qu'en Ouais, fait, merci, j'ai pas merci. conscience en fait. Moi, je coupe mon, mais j'ai coupé mon micro et ma vidéo, mais je Oui, je suis là, sais. hein, c'est juste pour le D'accord. dire. Ok, mais merci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quand il y a un problème de son qui se présente. Voilà, donc en fait, si tout le monde entend bien à nouveau, je peux continuer.
Donc, en fait, ce que je disais, c'est que en fait, Olivier et Yana, notamment, ont toute une partie de leur article qui montre les similarités qui existent entre la morphologie flexionnelle et les paradigmes flexionnels et les paradigmes dérivationnels. Et également, en fait, une expérimentation sur l'interprédictibilité, justement, entre les éléments dans les paradigmes. Alors, ce qui se passe, c'est que donc là, donc, Fiametta, Anamer et moi avons proposé un modèle qui est assez proche en fait de celui de Bochner et assez proche de celui de Olivier et de Yana, que nous avons appelé paradis. Alors pourquoi paradis? C'est paradigme versus discrepancies. Donc en fait, en gros, c'est les paradis contre les décalages. Et donc on va voir en fait que justement c'est un modèle qui permet de traiter les décalages d'une manière simple. Donc Faraparadis en fait est fondé sur les postulats suivants. D'abord, le premier, c'est que toutes les régularités que l'on va observer au niveau morphologique, en tout cas qui intéressent la morphologie, sont paradigmatiques. Notamment, les régularités morphologiques, les régularités formelles, les régularités catégorielles et les régularités sémantiques vont être considérées comme étant toutes paradigmatiques. Par ailleurs, le deuxième point, c'est que en fait, les représentations morphologiques, formelles, catégorielles et sémantiques, donc quoi, une des conséquences de cette hypothèse, c'est que les représentations morphologiques, formelles, catégorielles et sémantiques, en fait, vont former des paradigmes exactement de la même manière. Donc en fait, on va donc avoir des paradigmes formels, des paradigmes morphologiques, des paradigmes catégoriels et des paradigmes sémantiques dans les descriptions. Donc, le deuxième point, c'est que les niveaux de représentation formelle, sémantique, catégorielle sont indépendants, exactement comme ils le sont dans les règles de construction de l'exem. Donc, en fait, dans une règle de construction de l'exem, lorsqu'on décrit la manière dont la forme d'un mot est construite à partir de la forme d'un autre mot, normalement, on ne va pas invoquer ou utiliser des informations qui sont de nature sémantique pour décider de. Donc, on ne va pas mélanger, disons, des informations sémantiques et des informations formelles lorsqu'on doit, par exemple, décrire la forme d'un mot construit. Donc, par ailleurs, en fait, les paradigmes formels, catégoriels et sémantiques sont en correspondance avec les paradigmes morphologiques. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on va voir. Et enfin, un point important, c'est que les paradigmes morphologiques vont pouvoir être superposés pour former des paradigmes dérivationnels. Alors, je vais présenter un exemple pour illustrer tout ça. Donc, on va considérer ici un exemple qui est une sorte d'adaptation de celui d'Olivier et Yana. Donc, on va avoir un paradigme où on va avoir des verbes, des noms d'action et des noms d'agent. Donc, on a laver, laveur, lavage, salé, saleur, salage. On va avoir former, formateur, formation, fonder, fondateur, fondation. On va avoir gonfler, gonfleur, gonflement, ronfler, ronfleur, ronflement. Donc, ça forme un paradigme exactement comme ceux que Olivier et Yana ont décrit. Donc, pardon, Nabil, excuse-moi, oui. Dans la diapo précédente, tu n'aurais pas interverti agent, non, dans la diapo des tableaux là. Laquelle, celle-là? La 21, oui. Tu n'as pas interverti. Ah, si, j'étais interverti agent. Oui, il y a une intervention, oui. C'est j'avais pas. Voilà, c'est des étudiants qui ne sont pas spécialistes de morpho. D'accord, ok. Oui, merci, excuse-moi. Donc, effectivement, là, il y a une erreur. En fait, il faut lire ici agent N et ici action N. Pardon. Oui, voilà. Oui, c'est bon. Désolé. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, on va découper en fait ce paradigme en famille. Donc en fait, on voit qu'on a ici six familles différentes, et en fait, ces six familles, forment trois paradigmes morphologiques différents. Donc on va avoir un paradigme morphologique M1, M2, M3. Qui va contenir laver, laveur, lavage, salé, saleur, salage. On va avoir un deuxième paradigme morphologique M4, M5, M6 qui va contenir former, formateur, formation, fonder, fondateur, fondation, et M7, M8, M9 qui contient gonfler, gonfleur, gonflement et ronfler, ronfleur, ronflement. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va superposer ces trois paradigmes morphologiques pour
construire, constituer un paradigme dérivationnel. Pour cela, on va superposer cette série-là avec celle-ci, donc comme on le voit ici, et avec celle-là. Donc en fait, on va superposer M1, M4, M7, on va superposer M2, M5, M8, et on va superposer M3, M6, M9. Donc ce qui se passe, donc, oui. Nabil, tu as aussi gonflé, gonfleur, gonflage. Alors, gonflé, gonfleur, gonflage, en fait, ça va être, ça sera à ce moment-là une famille qui va être qui appartiendra à M1, M2, M3. D'accord. Et donc, en fait, on aura deux familles différentes. Une qui, en fait, si gonflé, gonfleur, gonflage et gonflé, gonfleur, gonflement vont être considérées comme deux familles différentes, en fait, quoi, deux familles. Ça correspondra à deux lignes différentes dans le paradigme, une qui correspondra à âge et une qui correspondra à amant. Voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc voilà. Et donc ça c'est le paradigme ici dérivationnel est composé de paradigmes morphologiques et les paradigmes morphologiques sont des paradigmes qui ont une cohérence à la fois formelle et sémantique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va voir de la variation, on va considérer que cette variation, elle est obtenue au dernier moment, c'est-à-dire au moment où on a fait cette superposition. Par contre, là, il n'y a pas de variation au niveau des paradigmes morphologiques, on n'a pas de variation. La variation, elle est gérée uniquement au niveau des paradigmes dérivationnels. Alors, les paradigmes morphologiques, en fait, donc celui qu'on vient de voir, par exemple, M1, M2, M3, ici, contient laver, laveur, lavage, salé, saleur, salage. En fait, ce paradigme-là, ici morphologique, il est relié à un paradigme formel qui est là, à un paradigme catégoriel qui est ici et à un paradigme sémantique qui est là. Donc, le paradigme formel va contenir, en fait, ici, les transcriptions phonologiques des mots. Donc, ici, lave. Alors, j'ai pris lave parce qu'en fait, pour ne pas prendre en compte la déclinaison, la forme. Voilà. Le marqueur de l'infinitif. Donc, on a laveur, on a sale, saleur, salé, salage, saleur. Voilà. Et en fait, ce que l'on va voir, c'est que, par exemple, ici, si j'ai mon. Et donc, ça, c'est pour la partie formelle. Pour la partie sémantique, on a également des représentations, donc qui est le sens de laver, l'action de laver et celui qui lave. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on va voir que ici, par exemple, un mot comme laver ici, donc le lexème laver, est en fait décrit par trois informations, exactement comme dans le lexème classique. Donc on va avoir ici une représentation formelle, une description des propriétés formelles, ici une description des propriétés catégorielles, et là une description des propriétés sémantiques, exactement comme dans le lexème. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir ici une représentation, la description des propriétés formelles se fait à l'intérieur d'un paradigme. Donc là, on voit qu'on a un paradigme, c'est-à-dire que on va avoir exactement un tableau, quoi, un tableau, une organisation des informations phonologiques qui va être paradigmatique, c'est-à-dire qu'on va avoir une série, donc une superposition. Ici, on a une famille. Pardon. Là, on a une famille formelle. Ici, on a une deuxième famille formelle. Et ces deux familles formelles se superposent exactement comme dans les paradigmes pour former un paradigme formel. Donc là, c'est pareil. On a une famille ici sémantique. Là, on a une deuxième famille sémantique. Et ces deux familles sémantiques se superposent exactement comme pour les familles morphologiques et donc définissent un paradigme. Là, on a pour la partie catégorielle quelque chose qui est un peu plus trivial dans la mesure où on a juste deux catégories et en fait, on a un paradigme donc qui a une structure un peu réduite. Voilà. Et donc, en fait, ces paradigmes ici sémantiques, formels et catégoriels sont reliés aux paradigmes morphologiques. Par contre, il n'y a pas de relation ici entre eux. Donc, en fait, toute l'interaction se fait via le paradigme morphologique. Alors, on peut. Nabil, excuse-moi, oui. Il y a une question de Fanny. Est-ce que lavement fait partie de ce paradigme ou d'un autre ? Alors, lavement, c'est quelque chose qui est. Donc là, ici, on est dans un paradigme de nom d'action à H. Donc, en fait, lavement ne fera pas partie de ce paradigme-là. Donc, lavement ferait partie d'un paradigme qui serait éventuellement M7, M8, M9, qui a la même structure que celui-ci, mais qui est différent.
Par ailleurs, en fait, l'avenant, comme on le sait, c'est un terme qui est, disons, il a un sens qui est un petit peu différent de, par exemple, c'est pas un nom d'action, puisqu'en fait, c'est un traitement que l'on a, que l'on, c'est un traitement médical, en À fait. laver. Pardon? C'est ce qui sert à laver. C'est ce qui sert à laver, voilà. Donc en fait, et donc en fait, du coup, on n'est pas exactement sur le plan sémantique sur la même. Et quoi, il y a une petite variation sémantique. Donc il faudrait voir si il rentre dans ce paradigme ou pas. Et donc là, c'est vraiment une question un peu. C'est vraiment un cas particulier, disons, ce lavement dans ce cas-là, parce qu'en fait, ce n'est pas l'action de laver, lavement. Et donc, en fait, il ne va pas forcément rentrer ici, simplement, en tout cas, dans gonfler, gonfleur, dans le même paradigme que gonfler, gonfleur, gonflement. Parce qu'on ne peut pas avoir un laver, laveur, lavement. La personne qui administre un lavement, ça n'est pas un laveur, par exemple. Voilà. Donc, on a probablement un paradigme sémantique qui est différent en lui-même. Et il n'est pas sûr que ce soit pertinent de superposer le paradigme dans lequel il y aurait lavement avec le paradigme ici M7, M8, M9. Donc de le faire rentrer dans ce même paradigme dérivationnel parce que justement on a cette différence de sens. Je ne sais pas si ça répond à la question. On a une autre question. Ah, Oui, il y il y a a une une autre autre question. question. Alors, est-ce qu'un paradigme morphologique doit compter trois colonnes? Non, en fait, un paradigme morphologique, il peut compter beaucoup plus de colonnes. Donc là, j'ai pris trois colonnes parce qu'en fait, j'ai pris uniquement un nom d'agent et un nom d'action. Mais en fait, on pourrait avoir déjà un nom d'agent masculin et féminin. Donc, on pourrait avoir laveur, laveuse, laver, laveur, laveuse, lavage, salé, saleur, saleux, salage. Et tout à l'heure, là, on a vu ici qu'on avait quelque chose, ce qu'on veut représenter. Nous, c'est ce genre de choses. Donc là, on en a cinq de colonnes. Mais on pourrait envisager qu'il y en ait 8 ou 10 ou 15. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas forcément toujours trois colonnes. Par contre, la seule chose qui. La chose qui. Qui un paradigme morphologique doit être en relation avec ici doit être en relation avec un paradigme formel, un paradigme catégoriel et un paradigme sémantique. Par ailleurs, du coup, donc lavement, du coup, pourquoi lavement n'est pas une quatrième colonne? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres familles dans laquelle on a ce sens qui est le lavement, donc le médicament qu'on administre pour Ici, j'en ai purger. beaucoup. Si, il y en a beaucoup, mais en fait, des Une autre chose. Mais en fait, c'est autre chose. Voilà. En fait, c'est un paradigme différent et je pense que ça serait pas. Il n'y a pas. La question, c'est est-ce que le fait de savoir qu'il y a ce qu'on administre, que lavement, c'est ce qu'on administre pour purger, est prédictible à partir de laver et de laveur et de lavage. Voilà, c'est ça la question. Donc en fait, si c'est le cas, à ce moment-là, on pourrait avoir une quatrième colonne pour lavement. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on l'aura pas. Et donc, en fait, je ne sais pas si, par ailleurs, normalement, si c'était le cas, il faudrait que ce soit presque pour un très grand nombre des mots de la série. Donc, typiquement, est-ce qu'on n'a pas un salement qui voudrait dire ce qu'on administre pour dire sel, en fait. Voilà. On a sel, justement. Bon, donc, en fait, il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Si je peux faire juste une remarque, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'employer tout le temps paradigme, bien que là on comprenne tout à fait ce que tu veux dire, et même famille formelle, famille sémantique. Alors quand on est au niveau de la catégorie, ça bloque un peu, parce que ce que tu pointes là, ce sont des correspondances réglées. Oui. Au plan du formel, au plan de la catégorie et au plan de la sémantique. C'est-à-dire le côté réglé de correspondance. C'est-à-dire c'est un niveau de description plus bas que. Parce que c'est difficile, c'est bizarre de parler de famille. Autant tu peux parler de famille formelle pour F1, F2, F3, autant c'est bizarre de parler de famille formelle pour C1, C2. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que, De à un famille moment catégorielle. donné. Donc là, effectivement, je suis d'accord avec toi. Correspondance réglée, tu peux Oui. l'employer pour tout. Ce qui ne Oui. t'empêche pas d'employer après, dans une deuxième étape, famille. Oui. C'est vrai que pour Juste une les catégories. remarque. C'est pour les catégories, je suis d'accord avec toi. Il y a une difficulté. Alors en fait, elle est double. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de structure. En fait, a priori, ici, V et N sont considérés comme des atomes et donc n'ont pas de structure. Et donc, Oui. c'est difficile dans ce cas-là, Mais effectivement, ce que je suggère, c'est d'étoffer un peu le métalangage de Oui. manière que tu sois moins gêné aux entournures et qu'il y ait Peut-être, moins de effectivement, oui. recouvrement
les niveaux. Donc, ce que tu proposes, toi, c'est les appeler des correspondances réglées. Hein. C'est correspondances pas, réglées. C'est pas nouveau. Hein. Oui. Ça, c'est complètement analytique, mais bon, tu. Ok. Sinon, merci. C'est clair. Bon, après, en fait, c'était l'idée d'avoir le même, d'avoir une identité de structure aux trois niveaux. Oui, en fait, c'était un peu ça l'objectif. Parce que si tu fais un index automatique, tu vas avoir paradigme qui va recouvrir des choses assez différentes. Oui. Alors, il y a une autre question qui concerne les formes d'effectifs. Et donc, j'y reviendrai à la fin de cet exposé. Là, il y a un moment où donc, ça sera, je vais parler de ce point-là. Alors, je vais essayer. Oui, Nabil, excuse-moi. Du coup, j'ai l'impression que les questions là, portent beaucoup sur quels critères permettent de déterminer les limites du paradigme. Voilà, et ça, c'est la question. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, et moi, ma réponse, c'est ce qu'il faut, c'est un peu décaler le problème, c'est-à-dire aller chercher du côté plutôt du TAL et de la modélisation une réponse pratique à cette question-là. Et de la réponse pratique à cette question-là, qui est en fait abordée dans la deuxième partie de l'exposé, en tout cas ébaucher ou en tout cas commencer à travailler dans la deuxième partie, on va pouvoir, à partir de là, revenir sur le côté théorique pour essayer de voir en fait quelles sont les propriétés qui nous permettent d'arriver à cette modélisation qu'on a vue, mais pour des raisons juste en manipulant les données. C'est-à-dire, en gros, ma réponse, ça sera en regardant effectivement, en essayant effectivement de construire des paradigmes dérivationnels, que l'on saura quelle est l'étendue de ces familles. Et donc ensuite, comment est-ce qu'elle s'organise? Et donc ensuite, de pouvoir étudier cela au niveau sémantique. Donc en fait, il y a probablement des possibilités de le faire d'une manière un peu théorique et en tout cas, voilà, sans le faire à grande échelle. Mais en fait, je crois que c'est comme, en gros, l'idée, c'est une fois qu'on aura écrit le Becherel, on saura comment s'organise la flexion. C'est un peu ça ma réponse, en fait. Et donc, en fait, ma réponse, c'est on a une idée qu'il y a des tables de conjugaison. Par contre, une fois qu'on aura écrit un Becherel, eh bien, on saura, en fait, quels sont on pourra retrouver les personnes, les nombres, les genres, les modes, les temps, etc. Ça serait, je ne sais pas si ça répond à la question. Tu veux dire en fait que si on a accès à énormément de données, on va pouvoir déterminer automatiquement ce qui est prédictible à partir de quoi? Ou en tout cas, voilà, peut-être en tout cas, on aura une bonne idée des relations de prédictibilité, voilà. Et donc de quel est le contenu de la famille, donc de où s'arrête la famille. Voilà. Et donc en fait, moi, mon idée, c'est un peu celle-là. Ma réponse, ça serait un peu celle-là, mais il y a probablement d'autres réponses possibles. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, ce qui se passe, c'est que donc là, on a vu que le paradigme morphologique est en relation avec un paradigme formel et le contenu du paradigme formel, quoi, le paradigme formel, il peut être décrit de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va avoir ici trois séries qui contiennent une famille formelle qui est lave, laveur, lavage. Sale, saleur, salage. Et donc, en fait, cette partie ici du paradigme, c'est ce qu'on appelle le paradigme concret. Donc, c'est ce que McCarthy appelle un paradigme concret. Et là, on peut avoir en fait un paradigme abstrait qui décrit donc de manière abstraite la relation qui s'établit entre ces mots-là, entre ces trois formes. Donc, on a ici F1 représente le contenu de la cellule de la première cellule, alors on a un F1 heure et un F1 âge. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, on peut définir qu'on n'a pas forcément de définition d'interdéfinition entre F2 et F3 ici, dans la mesure où on va avoir des familles, on peut trouver on va trouver un ronfleur, mais ronflement. Donc en fait, le fait d'avoir un heure ne va pas me permettre systématiquement de prédire que j'ai le fait que j'ai un F1 heure ne va pas me permettre de prédire que j'ai un F1 âge. De même, en fait, si j'ai un âge, je ne peux pas forcément savoir s'il y a un heure. Par exemple, si j'ai lait, laitage, laitier, ou si j'ai esclave, esclavage, je ne peux pas savoir si en fait. Pardon. Comme on est au niveau purement formel et qu'on n'a pas de sens et qu'on n'a pas d'informations catégorielles, on ne peut pas savoir si on a un esclaveur ou si on a un laiteur dans ces cas-là. Et donc, on n'a pas donc cette prédictibilité.
Ceci, en fait, quand on regarde ce paradigme formel ici, tel qu'il est décrit, donc F1, F1R, F1H, on voit que F1R est défini à partir de F1 et que F1H est défini à partir de F1. Et c'est exactement ce dont on rend compte ici le fait qu'il n'y a pas de relation entre le H et le R. Donc, en fait, où le graphe qui décrit la famille formelle, il a cette forme-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un graphe complet. Alors, pour le graphe catégoriel, effectivement, comme le disait Bernard, en fait, on a quelque chose qui est un peu plus compliqué. Donc, on va supposer qu'on a deux catégories qui sont au niveau abstrait, on a juste deux unités qui sont deux atomes, en fait, qui ont aucune relation, entre lesquels il n'existe aucune relation. Et donc, on a juste deux cellules qui contiennent l'une la catégorie N et l'autre la catégorie V. La catégorie V et la catégorie N. Et elles sont. Et donc, il n'y a qu'une seule famille qui contient une famille. Donc, une seule. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler en fait la réunion de ces deux catégories. Donc il faudrait trouver une manière de le faire. Donc moi j'ai proposé d'appeler ça une famille catégorielle, mais il y a peut-être quelque chose de différent à proposer à ce niveau-là, parce qu'en fait c'est pas tout à fait une correspondance réglée. C'est vraiment le fait d'avoir une structure qui associe la catégorie verbe et la catégorie nom. Que l'on a là. Et par contre, on va supposer qu'il y a une relation entre eux, parce qu'en fait, en général, lorsqu'on a un verbe, on a très souvent un nom, et que lorsqu'on a un nom, on a très souvent un verbe. Donc c'est une demi-entourloupe, mais c'est pas. Il y a sûrement des choses encore à creuser là-dedans, mais c'est vrai que dans une famille catégorielle où il y a un verbe, on peut facilement trouver. Habituellement un nom, mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas encore satisfaisant et qui reste à travailler. Alors maintenant, sur le plan sémantique, là, les choses sont un peu plus intéressantes. Ce qu'on voit ici, c'est que on peut définir le paradigme sémantique là, le paradigme sémantique qui est en relation avec le paradigme morphologique de la manière suivante. Donc, on a ici un sens S1 qui correspond au sens de par exemple de la V, et ici on va avoir le S1 S2 peut être défini par relativement à S1, donc celui qui lave, et S3 par rapport à S1, action de la V, mais on peut aussi définir S2 et S3 relativement l'un à l'autre. Donc S2 peut être celui qui réalise un lavage, et S3 c'est l'action réalisée par le laveur. Voilà. Et donc en fait on voit par là qu'on a une relation entre S1, S2, S1, S3 et entre S2, S3. Et ça, on en rend compte ici par le fait que le graphe ici, il est complet. Donc, on a les trois arcs. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'a pas la même structure au niveau des graphes formels, au niveau des graphes sémantiques, et même on voit qu'on n'a pas la même structure et le même nombre de cellules au niveau dans les trois graphes. Donc en fait, ici on voit qu'on a un graphe catégoriel qui n'a pas ni le même nombre de catégories, ni la même structure. Par ailleurs, le point intéressant ici, c'est que le paradigme sémantique, pardon, est le même pour l'ensemble des trois paradigme morphologique, c'est-à-dire que en fait on a ce paradigme ici sémantique qui contient à la fois la description sémantique pour laver, laveur, lavage, mais également pour former, formateur, formation, mais également pour gonfler, gonfleur, gonflement, parce qu'en fait sur le plan sémantique, en fait toutes ces unités s'organisent exactement de la même manière. Toutes ces familles, la famille sémantique de laver, laveur, lavage et de gonfler, gonfleur, gonflement sont strictement identiques. La seule variation, elle n'existe qu'au niveau formel. Au niveau sémantique, on a exactement la même organisation et la même structure. Alors, pour gonfler, que se passe-t-il en S3 lorsqu'il n'y a pas de gonfleur, mais une cause moins agentive? Je n'ai pas compris. Par exemple, un gonflement qui a une cause médicale, par exemple, qui n'est pas un gonfleur. Oui, mais je pense que on travaille en fait à un niveau qui est un niveau lexical.
donc en fait, et on pourrait avoir à ce moment-là considéré que il y aurait une sorte de deuxième sens de gonfler, ou je ne sais pas comment oui. il faudrait le considérer. Et oui, il y a deux gonflés. Que... Le gonflé de gonflement, c'est incitatif. Voilà. Une accusatif et l'autre qui est gentil. Voilà. Donc en fait, bon. Et donc en fait, bon, disons qu'en fait, voilà. C'est pas un point qui est disons destiné à quoi, qui est adressé par quoi adressé. Ce que tu n'as pas dit, Nabil, tout à l'heure, c'est que tu as tout à fait bien dit que entre ce que tu appelles les niveaux, il n'y a pas de corrélation entre le sens et le son. Oui. Par contre, justement, il y a des corrélations. Il y a des corrélations, oui, mais il n'y a pas de relation directe en fait. Il n'y a pas de relation directe. Voilà, c'est voilà. ça. Alors pour le gonfleur, là, je laisserai Florence et Bernard répondre, parce que là, je ne sais pas, la réponse ne me vient pas immédiatement. Tu parles de quoi, non gonfleur. Du gonfleur, de, tu sais, un gonflement, donc l'inaccusatif. Oui, ce que dit Guillaume, là, il dit pour gonfler, que se passe-t-il si, en fait, il n'y a pas de gonfleur, donc en fait, c'est construit sur un verbe gonfler qui n'est pas agentif. Qui peut être soit statif, soit causatif, sans être agentif. Voilà. Donc en fait, c'est une autre structure, c'est un autre paradigme, quoi. C'est un autre lexème, c'est un autre verbe. Oui. C'est ça, voilà. Donc voilà. Parce qu'il y a une autre structure argumentale en fait. Donc c'est là que on a un petit problème, parce que tel quel, on rend pas compte de la polysémie. Oui. Alors là c'est vrai. Mais bon, là c'est pas forcément quelque chose qui est. Ouais. Voilà. Ma question c'était juste. Ouais, voilà. Ma question, c'est juste en anticipation de peut-être ce qui va venir, voilà, sur les recherches du côté, voilà, au niveau TAL, c'est-à-dire ça va peut-être poser un problème quand on va essayer de tout réunir. Oui. Bon, dès lors qu'on met du sens, on ouvre un peu la boîte de Pandore, parce que voilà, on va avoir des variations. Alors, de sens. Moi, je trouve cette diapositive super intéressante, parce qu'il y a vraiment une tentative de formalisation, donc on va essayer à minima de circonscrire. Ici, au niveau sémantique, on va essayer de circonscrire un petit peu les invariants. Quoi. Et oui. puis, ma question, c'était juste une question très simple qu'on a en sémantique lexicale. C'est quand on a plusieurs entrées, bon, voilà, est-ce qu'on va rajouter une ligne, donc un gonflé 2, ou est-ce qu'on va rajouter une colonne avec une spécification? Donc là, en fait, on va rajouter en fait, un paradigme complet. Quoi. On va rajouter quelque chose qui est différent. Et donc après, la question, ça sera de voir est-ce qu'il faut l'aligner ou pas avec des paradigmes morphologiques existants. Voilà. Et donc, ça, c'est plutôt ça la question. Okay. Je pense que ça répond peut-être à la dernière question là, qui vient d'être posée. Le changement lexical et la polysémie auraient tendance à multiplier les paradigmes? Oui, certainement. Certainement, oui. Oui, en tout cas, c'est un peu cette option-là qui est prise ici. Oui. Anne Lacheret, du coup, ça fait des paradigmes très, très lourds. Très lourds, c'est-à-dire pas... en nombre. Ah, qu'il y en a beaucoup. Oui, en fait, en gros, les paradigmes, ils collent vraiment à... Mais exactement comme quand on prend un Becherel. En fait, quand on prend un Becherel, il y a je ne sais plus combien actuellement, une centaine de tables différentes. Mais en fait, quand on compte en plus les petites astérix et les petits trucs qu'il y a en bas, ça fait des ne serait-ce que la flexion, qui est considérée comme quelque chose de très régulier, correspond en fait à peut-être, je ne sais plus combien, à plus d'une centaine de paradigmes différents. En français, alors qu'en fait on n'a que trois groupes a priori, on a juste premier, deuxième, troisième groupe, mais quand on déplie tout complètement, on se rend compte qu'il y a énormément de paradigmes différents. Donc là, en fait, effectivement, ça multiplie énormément les paradigmes. Mais l'idée, la démarche qui a été choisie, la manière d'aborder cette question dont nous abordons cette question ici, c'est d'essayer de vraiment coller au maximum aux données et de rendre compte le plus fidèlement possible à l'intuition. Voilà, c'est vraiment ça qui nous guide. Et donc, on essaie de se donner les moyens d'y arriver. Donc, en fait, sans se poser la question de est-ce que ça va être très lourd, est-ce que ça ne va pas être très lourd, parce qu'en fait, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra voir dans un deuxième temps, mais ne serait-ce qu'être capable de décrire de manière fidèle et conforme à l'intuition des phénomènes morphologiques simples ou complexes. Ça, c'est vraiment notre objectif. Voilà. Effectivement, ça multiplie énormément les paradigmes, mais en fait, je crois qu'en fait, personnellement, si on regarde la flexion, c'est déjà le cas. Il y a énormément de paradigmes différents. Alors que, en fait, les variations morphosyntaxiques sont relativement
peu nombreuses, alors que là, on a une variation sémantique et ontologique beaucoup plus importante, et donc forcément, on va se retrouver avec des quantités énormes de paradigmes, peut-être pas aussi énormes que ça, mais en fait, il va y avoir beaucoup de paradigmes morphologiques, oui, effectivement. Voilà. Alors, donc en fait, là, le point intéressant, c'est qu'en fait, ici, donc, on a vu que le paradigme M1, M2, M3 est en relation avec F1, F2, F3 et S1, S2, S3. Mais par contre, en fait, ici, le paradigme M4, M5, M6 va être en relation avec un F4, F5, F6 qui décrira ici formateur, formation, formateur, formation, formé. Voilà. Par contre, ça sera le même paradigme S1, S2, S3 qui sera utilisé. On va, c'est-à-dire que les familles sémantiques de formé, formateur, formation appartiennent au même paradigme sémantique que pour laver, laveur, lavage. Donc on a un seul paradigme sémantique, on a trois paradigmes formels différents, on a un seul paradigme catégoriel. Voilà. Et en fait, les paradigmes morphologiques M4, M5, M6 et M7, M8, M9 vont avoir une variation au niveau de la forme, mais pas au niveau ni catégoriel ni sémantique. Et donc en fait, ils seront en relation avec les mêmes paradigmes catégoriels et avec le même paradigme sémantique. Voilà. Alors, on peut aller un cran plus loin dans la description en fait, des paradigmes et dans la formalisation, c'est-à-dire que l'on peut en fait compléter les paradigmes, les cellules du paradigme, par exemple ici M1, M2, M3, en indiquant pour chaque cellule quelle est la cellule formelle, la cellule catégorielle et la cellule du paradigme formel, la cellule du paradigme catégoriel et la cellule du paradigme sémantique avec lequel elles sont en relation. Donc en gros, c'est un peu comme si ici, au lieu d'avoir l'exème lavé, on avait en fait un renvoi vers des propriétés formelles, catégorielles et sémantiques. Et en fait, à ce niveau-là, elles, ces propriétés formelles, catégorielles et sémantiques, elles seront en relation avec d'autres propriétés formelles, catégorielles et sémantiques. Donc, en fait, on peut arriver comme ça à avoir une description complètement explicite de ce schéma-là, en fait, puisqu'on va dire que laver va être en relation avec lave, avec verbe et avec ce sens laver, de cette manière-là. Voilà. Nabil, j'aurais une petite question encore sur les paradigmes sémantiques. Oui. Est-ce que du coup, ça inclut la polysémie? Parce que Alors, la polysémie, donc en fait, en gros, si la polysémie elle a un effet sur la morphologie, oui. Si la polysémie elle n'a pas d'effet sur la morphologie, non. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une variation morphologique liée à cette polysémie, à ce moment-là, il faut en tenir compte. Si par contre, on peut avoir quelque chose qui n'a pas d'incidence sur la morphologie elle-même, donc en fait, que c'est un peu transparent par rapport à la morphologie, à ce moment-là, ben, normalement, il n'y a pas besoin de multiplier les choses. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, mais par exemple, est-ce que tu considères qu'il y aurait un paradigme sémantique des noms d'agents? Enfin, des noms d'agents? Non, parce qu'en fait, c'est forcément quoi. Ça, c'est une question qui se pose. Si on considère les noms d'agents, en fait, chacun d'eux, si on considère les noms d'agents un par un, chacun d'eux, en fait, c'est une unité, d'accord? Or, une unité, en fait, c'est comme dans la vie. En fait, en gros, pour être une famille, il faut être au moins deux. Et donc, en fait, il faut qu'il y ait une relation pour être une famille. Donc, si tu as un des noms d'agents tout seul, ils ne forment pas une famille et donc, en fait, ils ne forment pas un paradigme. Donc, il n'y a pas un paradigme des noms d'agents. Ce que tu peux avoir, c'est un paradigme qui est constitué des noms d'agents et de leur base, verbale, par exemple. Oui, voilà. Mais par exemple, tu vois, tu peux avoir un paradigme avec base verbale, nom d'agent et instrument. Ça, c'est heure. Oui. Tu peux avoir un paradigme, je ne sais pas moi, base verbale, instrument et lieu, c'est war. Donc là, tu as instrument avec heure et war, comment t'en rends compte? Est-ce que tu constitues un paradigme? Enfin, alors, c'est là que justement les choses sont un peu compliquées. C'est-à-dire que c'est là, ça reprend ta question de tout à l'heure, qui est de savoir comment est-ce que s'organisent les familles et comment est-ce qu'on les délimite. Donc, je pense que ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on a une interprédictibilité suffisante à l'intérieur du paradigme. Donc, si on voit que pour beaucoup de mots qui ont un nom d'agent, un nom d'instrument et un verbe, quoi, pour beaucoup de familles qui contiennent un nom d'agent, un verbe, un nom d'agent, un nom d'instrument, si on a le nom de lieu en war de manière régulière, à ce moment-là, on va les mettre dans le même paradigme.
si on se rend compte que ce n'est pas le cas et que, qu'en fait, on a beaucoup de cas où on va avoir le WAR, mais on ne va pas avoir le nom d'agent, par exemple, à ce moment-là, ils se retrouvent dans des familles, dans des paradigmes différents. Mais tu parles de paradigme morphologique, mais pas du paradigme sémantique. Alors, au niveau du paradigme sémantique, on pourrait… Donc, ça, c'est pareil, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que s'il y a suffisamment de familles pour lesquelles on va avoir ce sens-là qui est réalisé, à ce moment-là, on pourrait avoir effectivement une quatrième colonne avec le lieu. Oui. Mais en fait, ça sera vraiment… Si jamais il est utile, donc si jamais cette quatrième colonne est utile, ça sert à quelque chose, parce qu'en fait, il y a suffisamment de familles sémantiques dans laquelle il y a un nom de lieu qui peut être exprimé, à ce moment-là, on peut ajouter effectivement une quatrième colonne, même si elle n'est pas, pas connectée dans ce cas-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, je crois que ça a à voir avec la densité de l'interprédictibilité. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des zones qui sont denses et d'autres qui sont moins denses. Et les zones denses, ça a un sens d'attraper ça par la notion de paradigme. Voilà. Exactement. Voilà, ça, je crois que c'est il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est en jeu là. Voilà. Donc comme je le disais, donc le paradigme morphologique M4, M5, M6 est en relation avec un paradigme formel F4, F5, F6 qui peut être décrit de cette manière-là. Et le paradigme M7, M8, M9 est en relation avec un paradigme formel F7, F8, F9 qui est décrit de cette manière-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, on a un problème avec le heurateur là, qui fait qu'on est obligé d'avoir quelque chose. Le fait qu'on soit obligé d'utiliser un thème différent en fait pour former formateur formation fait qu'on est obligé d'avoir ce petit G en plus parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que on a une interprédiction quand on a quelque chose comme formation on peut prédire qu'on a formateur et si on a formateur on peut prédire qu'on a formation. J'avais une question par rapport au paradigme formel parce que au départ tu as défini les lexèmes comme des ensembles de formes et puis oui ça a disparu pouf et on a très bien, si la forme que tu as retenue là, est-ce que c'est une des formes de l'ensemble oui. Ou est-ce que tu mets le doigt sur un truc un peu voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que comme c'est un peu compliqué, en fait, effectivement, les lexèmes sont des ensembles de formes. Et là, on pourrait avoir, il y a deux écoles, donc il y a l'école Bonamy, Boyer, Kerleroux, où il y a des thèmes. Et donc, en fait, où le contenu formel des lexèmes est décrit à partir de ces thèmes-là, comme on pourrait avoir un thème là, par exemple, et qui permettrait à ce moment-là de décrire les formes des autres lexèmes à partir donc, des thèmes du lexème de base. Donc, ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité vers laquelle s'oriente, par exemple, Olivier aujourd'hui, c'est de considérer qu'en fait… ce que j'ai décrit là d'une manière un petit peu abstraite et pas tout à fait un peu simplifiée, c'est en fait un ensemble c'est un réseau de relations qu'il y a entre toutes les formes de F4, quoi, en tout cas, ou un ensemble de formes, un sous-ensemble de formes de F4, ou toutes les formes de F4, toutes les formes de F5 et toutes les formes de F6. Donc en fait, qu'on aurait à ce niveau-là un graphe complet où en fait on aurait une relation entre lavera et puis lavage au lavage voilà et laverion et puis lavage et puis pareil on aura un truc entre lavera et puis laveur et laverion et puis laveur etc. Donc toutes les formes de laveur et toutes les formes de laver seront en relation les unes avec les autres. Donc voilà. Mais ça, c'est un point qui, je n'ai pas voulu le développer parce qu'en fait, ça va trop compliqué, ça va nous éloigner du focus, quoi, de l'objet de l'exposé. Voilà. Ça répond à ta question. Oui. Bien. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que l'analyse va rendre compte de l'intuition. Alors, je suis complètement pas dans les temps, mais bon. Donc en fait, on a une superposition des paradigmes M1, M2, M3, M4, M5, M6, et M7, M8, M9 qui rend compte du fait que la différence, elle existe que sur le plan formel, en fait. Voilà, les trois paradigmes morphologiques sont en correspondance avec le même paradigme catégoriel et le même paradigme sémantique, et ça rend bien compte du fait qu'on les considère comme étant juste une variation sémantique. Et par rapport à, par ailleurs, donc la superposition des paradigmes morphologiques induit une superposition des paradigmes formels
qui rend compte que donc en fait de la variation, que la variation concerne les exposants. Donc d'un côté on a agion, ation et aimant, et de l'autre côté on a heurateur. Donc on voit bien en fait quels sont où se situe la variation. Et ça le fait que on est superposé les paradigmes morphologiques, fait qu'on a superposé aussi les paradigmes formels, et donc on est capable à ce moment-là de voir où se situe la variation. Voilà. Alors maintenant, pourquoi faire cela? C'est parce qu'en fait, je vais aller finir. Je pense que je n'aurai pas le temps de faire la deuxième partie de l'exposé, mais je vais au moins finir celle-là. Donc, un phénomène paradigmatique est un phénomène qui va mettre en jeu deux lexèmes d'une même famille. Donc, il est possible d'analyser les phénomènes. Voilà. Le point, c'est que une fois qu'on a mis en place ce système qui peut avoir l'air d'être compliqué, en fait, lorsqu'il est en place, on va pouvoir analyser des familles aussi simplement lorsqu'elles sont canoniques ou pas canoniques. Et donc, on n'a besoin d'aucun dispositif ou de mécanisme supplémentaire pour analyser des cas qui, d'habitude, sont très compliqués ou assez compliqués à analyser en morphologie. Alors, un exemple de ce type de situation, c'est les adjectifs préfixés en inter en anglais. Donc, on a family, familial, interfamilial, familial, nation, national, international, fistula, fistulus, voilà, filament, filamentus, interfilamentus, lexème, lexématique, interlexématique. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a des adjectifs de relation qui sont construits soit avec al, soit avec us, soit avec x, soit avec ar. Et que, pareil, donc ça c'est voilà. Et par ailleurs, lorsqu'on en a une préfixation inter, interfamiliale ne veut pas dire entre deux familiales, mais entre deux familles. Et donc, en fait, on voit qu'ici, il apparaît un suffixe entre international, ce n'est pas entre deux nationales, c'est entre deux nations, donc, en fait, ou entre plusieurs nations, plus exactement. Donc, en fait, on voit qu'ici, il apparaît un suffixe « al » qui n'a pas de contribution sémantique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est donc difficile à expliquer, notamment lorsqu'on a une morphologie morphématique, par exemple, parce que, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui a un contenu, quoi, il y a un contenu formel qui n'a pas de correspondant sémantique dont il faut rendre compte. Idem au niveau lexical, au niveau donc lorsqu'on a des RCL, des règles de construction de lexème, on a du mal à rendre compte du fait que ici on a ce suffixe-là. Alors, ce qui est difficile, par exemple, lorsqu'on a des RCL, c'est qu'en fait, il faut dire que ce suffixe-là est le même que celui qu'on observe sur l'adjectif de relation. Donc, lorsque l'adjectif de relation est en al, la construction inter récupère cette même terminaison. Lorsqu'elle est en hic, elle récupère le hic aussi. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être décrit uniquement en considérant les couples de lexèmes, mais qu'il est nécessaire de considérer les trois lexèmes en même temps pour pouvoir analyser celui-là. En gros, que l'analyse de ce lexème-là fait intervenir à la fois celui-ci et celui-là, donc à la fois sa base sémantique et une sorte de base formelle. Voilà. Donc l'idée, c'est que donc en fait, interlexématique, par exemple, est interlexémique ou interocéanique, est construit sémantiquement sur océan, c'est entre plusieurs océans, mais est construit formellement sur océanique. Donc on a rajouté le préfixe inter à la forme de océanique. De la même manière, ici, interfamilial est construit sémantiquement sur famille, c'est entre plusieurs familles, mais au niveau formel, il est construit sur familial, on a rajouté ici inter sur familial. Et ce type de construction un petit peu compliquée est difficile à décrire, par exemple, dans un modèle morphémique ou lexématique. Donc, ce qu'on peut considérer dans ce cas-là, c'est qu'en fait, ça, c'est une construction qui est paradigmatique. Et une manière de le faire, ça va être de considérer que, donc, au niveau formel, on a quelque chose où on part donc de ici, par exemple, family, on fait familial et ensuite on a interfamilial. Et au niveau sémantique, on a family qui donne d'un côté familial, l'adjectif de relation, et de l'autre côté interfamilial qui est entre plusieurs familles.
Lorsque l'on fait ça, en fait, on peut arriver de cette manière-là à décrire exactement de la même manière que pour les cas de heure et âge, qui sont des cas considérés comme simples, ce type de construction. Donc, par exemple, ici, on a ce paradigme morphologique, family, familial, interfamilial, nation, national, international. Et là, on voit qu'on a un paradigme formel et là, un paradigme sémantique. Alors, la seule différence qu'il y a avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est essentiellement ici la forme des graphes et des relations qui existent au niveau formel, et donc dans les paradigmes formels, et au niveau sémantique, et dans le paradigme sémantique. Donc, en fait, le modèle permet comme ça, de cette manière, de traiter assez simplement, et sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit, à la fois des cas relativement considérés comme simples, comme la variation âge-Marion, d'une part, et également des cas relativement complexes, comme ici une relation qui met en jeu donc l'analyse interfamiliale, qui met en jeu à la fois famille et familiale. Alors, j'avance peut-être pour avoir le temps de répondre éventuellement à des questions. Donc, un deuxième cas, c'est celui des relations indirectes et notamment donc des familles qui comportent des défectivités. Par exemple, si on considère démon, démonisme, démoniste, fétiche, fétichisme, fétichiste. Donc, le démonisme, c'est le fait de croire en l'existence des démons, et le démoniste, c'est celui qui croit en l'existence des démons. Idem pour le fétichisme et le fétichiste. Si maintenant on considère des déismes et déistes, donc déisme, c'est celui qui croit en l'existence d'un dieu, et déisme, c'est le fait de croire en l'existence d'un dieu, et le déiste, c'est celui qui croit en l'existence d'un dieu. Animisme, c'est celui qui croit en l'existence des esprits, donc l'esprit des choses, en fait. L'animiste, c'est celui qui croit. Bon, je crois que je me suis embrouillé, mais vous avez compris. Oui. Voilà, Bonjour. Alors, en fait, mais y a-t-il pas une petite faute là par hasard? Parce que non, parce que je crois plutôt que c'est plutôt animisme, plutôt pas animisme, parce qu'on va risquer de penser au manque. Ah oui, pardon, c'est ça, il y a une erreur, excusez-moi, c'est vrai, c'est animisme, effectivement, et pas anémisme, oui, il y a une faute, il y a une typo, effectivement, merci de me l'avoir signalé, oui. Merci bien. Non, c'est tout à fait ça. Voilà, donc en fait, on a donc ces cas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en français, on n'a pas de dé qui voudrait dire Dieu ou divinité, et on n'a pas de. Ça serait âme, en fait, la base de animisme, mais on n'a pas de anime qui serait en fait la base de ces deux dérivés. Donc, comment est-ce qu'on fait donc dans ce cas-là pour décrire ces systèmes-là? Ben, en fait, on va les décrire exactement de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va avoir un paradigme morphologique ME, alors je l'appelais ici 21, 22, 23, qui contient démon, démonisme, démoniste et fétiche, fétichisme, fétichiste. Et à côté, on va avoir un deuxième paradigme qui, lui, va contenir uniquement M24, M25 avec les mots en isme et en iste. Et en fait, le fait que en fait ici il manque la divinité, le nom de la divinité, quoi, il n'y a pas de lexème pour exprimer la divinité qui entre dans cette famille, ou il n'y a pas de lexème pour exprimer l'esprit qui entre dans cette famille, va apparaître en superposant M21, 22, 23 avec M24 et 25. Et donc là, on voit que M21 n'est pas superposé à une autre série. Voilà. Et c'est comme ça que l'on peut rendre compte, par exemple, ici, de cas d'une défectivité qui est ici un peu plus systématique, qui en fait relève des paradigmes. Par ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau sémantique, on pourrait avoir quelque chose qui serait très proche de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que la langue ne comporte pas de forme de lexème qui exprime que, par exemple ici, cette notion d'esprit que l'on a dans l'animisme, donc en fait je me suis vraiment trompé partout, le fait qu'il n'y ait pas de mot pour l'exprimer ne veut pas dire que cette forme n'existe pas au point de vue sémantique. Donc ça répond à la question qui m'avait posé tout à l'heure une question relativement à ce point-là, je crois que c'était Florence. Philippe Gréa. Oui, c'est ça.
Donc en fait, on pourrait avoir ici Dieu, croyance en l'existence d'un Dieu, celui qui croit en l'existence d'un Dieu, au niveau du paradigme sémantique. Par contre, c'est au niveau des paradigmes formels qu'on n'a pas de forme qui rende compte de ce lexème-là, quoi, qu'on puisse utiliser pour ce lexème-là. Voilà. Et donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut de cette manière-là avoir un seul paradigme sémantique pour à la fois pour M21, 22, 23 et pour M24, 25. Il se trouve pardon. Seulement que pour M24 et M25, en fait, il n'y aura pas, donc dans les familles sémantiques, cette cellule-là ne sera pas en relation avec une cellule du paradigme morphologique, et cette cellule-là ne sera pas en relation avec une cellule du paradigme morphologique, et donc ne sera pas réalisée, n'aura pas de réalisation dans le lexique, et c'est comme ça que l'on va rendre compte de cette défectivité. Donc on voit que le modèle permet de voir que on a une unité sémantique qui existe, mais que éventuellement en fait le mot manque en fait dans le lexique pour exprimer cette notion-là. Alors, pour les suppressions, Nadine, tu as une question là sur les suppressions. Sur ça, on te demande si la suppression exclut donc de fait les lexèmes sur le plan formel. Ça veut dire donc, que là. Que, non, donc alors les suppressions, alors c'est ça dépend ce qu'on va considérer comme suppression, par exemple, mais si on a quelque chose que... entre Dieu et D, c'est oui. Typiquement une suppression. Sauf que en fait le D il n'est pas oui d'accord, une suppression du radical. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc, une suppression radicale. Mais là en fait, donc soit on considère, il y a deux possibilités. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de suppression, c'est qu'en fait, on n'a pas suppression de radical. C'est que là, normalement, il n'y a rien. Et en fait, le paradigme ici, il contient uniquement déisme et déiste, et on n'a pas ici Dieu, en fait. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas parce qu'en fait, il n'y a pas de régularité suffisante sur le plan, il n'y a pas de régularité suffisante sur le plan formel. Mais du coup, alors. Ça fonctionne quand même, ça. Allez-y. Pardon. Ah oui, bah allez-y, venez là. Bonjour. Est-ce que l'allomorphie fonctionne du coup Alors l'allomorphie, ça c'est quelque chose qu'il faudra. Ça c'est pas quelque chose que j'ai encore sur laquelle on a encore réfléchi pour l'instant. Okay. Voilà. Parce qu'en fait l'allomorphie, souvent on peut la traiter au niveau justement des thèmes. Okay. Habituellement en tout cas. Voilà. Et donc en fait c'est au niveau ça revient à la question de Sylvain de tout à l'heure qui était de savoir voilà qu'est-ce qu'il y a au niveau formel précisément comme structure. Pardon. J'avais juste une petite remarque minimale. Moi, je suis pas morphologue, donc je m'excuse si c'est trop naïf, mais quand même pour déisme et animisme, c'est intéressant, c'est que c'est les deux termes qui viennent du latin deus et anima, où j'imagine que deus et anima sont des termes qui étaient très fréquents, notamment dans la littérature ecclésiastique, et que c'est des termes en fait qui ont fait leur vie étymologique de manière peut-être plus libre que pour démon qui vient du grec et fétiche qui vient du portugais. Peut-être que dans le paradigme formel, il y a un petit volant qui pourrait s'ouvrir sur les choix étymologiques qui sont un peu les hasards de l'histoire. Voilà, en fait, on rencontre des hasards de l'histoire. Mais là, nous, on se place vraiment à un niveau synchronique, complet. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et on essaie de voir comment est-ce que on peut en rendre compte de toutes ces régularités d'une manière assez… mais effectivement, d'une manière simple, disons, et immédiate et proche de l'intuition. Mais effectivement, il y a une explication sur le fait que c'est pour ces mots-là qu'on a le fait que anima et deus ne soient pas présents dans le lexique. Voilà. Alors, donc en fait, donc ce que je voulais dire par là, c'était qu'on a ici un seul paradigme sémantique et que l'existence de ce paradigme sémantique fait apparaître d'une part montre que l'unité de ce paradigme-là. Donc en fait, l'unité du paradigme sémantique rend compte de l'unité de ce paradigme dérivationnel-là. Par ailleurs, et c'est ça qui est intéressant et qui colle à l'intuition. C'est-à-dire que même si les mots n'existent pas,
le mot des, il n'y a pas de, que Deus n'est pas un mot du français, eh bien, le concept Dieu, lui, occupe au niveau sémantique la position qui quoi, occupe la position. Permet de définir sémantiquement déisme et déiste par rapport à quelque chose qui aurait pu être là, en fait, mais qui n'est pas réalisé. Voilà. Nabil, tu as une autre question là. Oui, j'ai une autre question sur il peut y avoir plusieurs terrorisme. Excel pour une même colonne. Par exemple, terreur-terrorisme. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a plusieurs lexèmes dans une même colonne dans terreur terroriste et terreur terrorisme. Je ne comprends pas. Peut-être que vous pourriez m'expliquer comment est-ce qu'on a. Quelle serait la cellule du paradigme qui contiendrait plusieurs lexèmes dans ces cas-là? Parce qu'en fait, on a terreur, terrorisme, terroriste. Éventuellement. Alors, c'est pas le même isméiste que celui qui est là. Et là, on n'a pas de. Alors, il y a effectivement une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour traiter tout ce qui est un peu tout ce qui est sur abondance en fait dans ces modèles-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde vraiment les données. En dérivation de la surabondance, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, ce qu'on va trouver, c'est plutôt des choses comme de la supplétion, comme, je ne sais pas moi, prison carcérale incarcérée versus… Là, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir trouver. Mais par contre, de la vraie surabondance, en fait, c'est vraiment très, très compliqué à trouver. C'est vraiment compliqué de trouver des cas où, clairement, on a quelque chose qui est surabondant exactement comme, je ne sais pas moi, le payer paye en flexion, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si la personne pour si Fed Sarawi pourrait développer. Donc, ok, très bien. Voilà. Alors, j'ai fini Oui. Est-ce que je peux dire deux mots concernant ces histoires de supplétion? C'est qu'en fait, on pourrait dire, on n'a pas creusé la question, mais finalement, on pourrait voir une certaine similitude entre le fait que un même paradigme dérivationnel est formé de paradigmes morphologiques qui ne diffèrent que de la variante de l'exposant. On peut considérer, comme je pense l'avait fait Michel Rocher, qu'on a une famille lexicale qui va être formée de différentes familles dérivationnelles. Je pensais à prison, emprisonné, carcéral, incarcéré, où en fait la différence est une différence formelle. Donc ils sont dans des paradigmes différents, mais sémantiquement ils rejoignent une même famille. Voilà, c'est vers là qu'on va aller et c'est comme ça qu'on va traiter la supplétion dans le modèle. La supplétion, je veux dire, dans le cadre de des bases latines versus les bases synchroniques. Je pense qu'on va vers là. C'est tout ce que j'aime. L'allomorphie, par exemple. Alors, l'allomorphie, c'est autre chose. Parce que, comme disait Nabil, il y a de l'allomorphie qui est prédictible phonologiquement. Et le plus simple, c'est quand on a de la vraie supplétion. Des trucs où les bases sont complètement différentes, voilà, carcéral, prison, par exemple, ou animiste, âme, ou esprit, là, on peut considérer qu'on a des variantes complètes. Après, quand on a de la variation qui peut être phonologiquement motivée ou pas, ça, on n'y a pas touché du tout pour l'instant. Oui, parce qu'il y a plein d'allomorphies non motivées phonologiquement, qui pourtant conserve beaucoup de correspondances formelles. C'est pour ça qu'on n'y a pas touché. Okay. Voilà. C'est bon. Une chose à la fois. Bien, donc en fait, le point, si pour revenir à. Donc en fait, c'est qu'on voit qu'on a exactement. Donc tout ce qu'on a mis en place pour décrire Hajmarion peut servir sans aucune modification, donc sans ajouter aucun mécanisme ou dispositif supplémentaire, pour aussi décrire des cas de relations indirectes qui sont ici typiquement des phénomènes paradigmatiques. Et on rend bien compte de l'intuition, et c'est vraiment ça les objectifs du modèle. Donc, pour conclure en fait cette première partie, mais en fait, je crois que c'est pour conclure, on peut dire que en fait, Paradis va mettre en place en fait un cadre qu'on pourrait appeler famille et paradigme, puisqu'on voit l'importance des familles. Donc, je pense que c'est ressorti clairement dans toute la discussion. Les familles sont vraiment
l'élément central et vraiment l'élément de base de tout ce modèle-là. Et c'est vraiment là que se situe tout disons que une fois qu'on a bien défini les familles, après le reste va de soi, en découle facilement. Mais on voit justement toutes les discussions qu'on a eues montrent que en fait cet objet famille n'est pas quelque chose de donné. C'est quelque chose qu'il faut qu'on construise et c'est quelque chose que les locuteurs construisent eux-mêmes également. Doivent quelque chose qui se construise et dont ils doivent se former une représentation. Par ailleurs, en fait, le cadre qu'on vient de mettre en place, il ouvre en fait un certain nombre de questions de recherche. Donc, d'une part, effectivement, l'extension des familles et la caractérisation des familles. Donc, ça, on voit bien que c'est là qu'il va falloir travailler, en tout cas dans les mois qui viennent. Par ailleurs, en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de questions sur la caractérisation des paradigmes, notamment, par exemple, le contenu du paradigme formel, le contenu, le fait de savoir si au niveau catégoriel, on a une famille ou pas. Ça, c'est quelque chose dont il faudra discuter. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Est-ce que les catégories, c'est juste des petits atomes, comme on l'a vu, verbe nom, ou est-ce qu'on a en fait une structure morphosyntaxique un peu plus compliquée, peut-être, entre lesquelles il y a des relations qui peuvent exister? Au niveau sémantique, en fait, on travaille notamment avec Daniel et Sanacor sur essayer de mieux caractériser, de mieux comprendre comment est-ce que les choses s'organisent au niveau sémantique, donc avec Daniel et Fiametta, bien sûr, dans un cadre qui serait adapté des frames sémantiques. Et donc, en fait, toutes ces questions-là sont ouvertes et sont rendues possibles par la mise en place de ce cadre sémantique. Voilà. Il reste aussi en fait un autre point dont je n'ai pas parlé là et qu'il faudra sûrement aborder, qui est celui en fait des contraintes qui portent sur le système. C'est-à-dire que là, en fait, comme on l'a vu, on a ajouté un degré de liberté supplémentaire justement en séparant les trois niveaux et en considérant qu'on a des paradigmes aux trois niveaux. Mais il y a d'une certaine manière, il est probablement nécessaire de contrôler un petit peu cette liberté supplémentaire qu'on a apportée au système. Notamment, alors, au niveau phonologique, on a l'habitude de toutes les contraintes, par exemple, comme la dissimulation qui porte sur la formation, quoi, là, sur la constitution phonologique des mots. Mais il existe probablement également des choses similaires sur le plan sémantique qu'il faudrait identifier. Et donc, en fait, le cadre, disons, définit le contour dans lequel on va pouvoir définir les objets et les structures sur lesquels il faut travailler à la fois pour les spécifier et pour essayer de mieux comprendre la manière dont elles sont contraintes et dont tout ça fonctionne. Sachant qu'en fait, l'idée, c'est qu'en fait, comme on a trois niveaux séparés, normalement, les contraintes qui opèrent sur un niveau formel, par exemple, sont complètement indépendantes des contraintes qui opèrent au niveau sémantique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que chacun, les contraintes sémantiques ne s'intéressent qu'à des propriétés sémantiques et n'ont pour objectif que d'avoir des paradigmes sémantiques qui sont cohérents et bien formés. Idem au niveau formel. On aura des contraintes qui seront que sur les objets formels et dont l'objectif est d'avoir des paradigmes formels bien formés et cohérents et intéressants. Voilà. Voilà ce que je voulais donc dire. Et donc, éventuellement, si vous avez d'autres questions, je veux bien y répondre. Et puis, Fiametta, n'hésite pas, bien sûr, à répondre et à compléter. Voilà. Moi, j'aurais peut-être une question, Nabil. En fait, tu as présenté tes paradigmes formels et sémantiques comme s'il y avait une correspondance complète. Pourquoi ne pas avoir dans ton modèle autorisé des correspondances partielles, ce qui te permettrait de rendre compte immédiatement des phénomènes de supplétion, par exemple, en disant qu'à partir du moment où tu as une correspondance au niveau sémantique, mais que tu n'as pas de correspondance au niveau formel, ça va être justement un cas de supplétion. Mais tu vois, tu as montré avec tes exemples comme déiste-déisme, oui. Où tu as une correspondance partielle finalement entre ton paradigme formel et ton paradigme sémantique. Oui. Donc du coup, Dieu, il vient quand même remplir la position, sauf qu'il n'est pas dans le paradigme formel. Et donc, il n'est pas dans le paradigme formel, mais il n'est pas non plus dans le paradigme morphologique, en fait. Puisqu'en fait, pour avoir une cellule morphologique bien formée, il faut qu'il y ait absolument quelque chose au niveau formel
quelque chose au niveau catégoriel, quelque chose au niveau sémantique. Donc là, en fait, comme ça manque au niveau formel, dans le paradigme morphologique, ici, il n'y a rien parce qu'en fait, il n'y a pas de réalisation possible. Par contre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réalisation possible que, en fait, dans le paradigme sémantique, il n'y aurait pas eu quelque chose qui aurait pu... Que si jamais on avait eu une réalisation formelle, à ce moment-là, en fait, la sémantique, elle aurait, elle, rien eu à ajouter puisqu'en fait, il y avait déjà tout ce qu'il y avait dedans. Donc, on a un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, on voit que ici, par exemple, toutes les cellules, par exemple, ici, cette cellule-ci, donc ça, c'est une cellule d'un paradigme sémantique, ça, donc croyance en l'existence d'un dieu. Cette cellule-ci, elle est en relation avec déisme. Par contre, cette cellule Dieu-là, elle est en relation avec rien du tout. Elle existe au niveau du paradigme sémantique, mais elle n'est pas en relation avec un lexème du paradigme morphologique parce que, en fait, il n'y a pas de lexème à cet endroit-là. Elle est quand même en relation avec le lexème Dieu qui n'est pas justement en relation formelle avec les autres. Et c'est ça. Alors, elle est en relation avec... Ce n'est pas une relation morphologique. C'est une relation lexicale. Avec le morphème Dieu, oui, mais alors effectivement, oui, c'est ça, au niveau lexical. Lexical, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait... C'est plutôt une relation sémantique, non ? Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on aurait... Ce même Dieu-là serait dans un autre paradigme, par exemple avec Dieu et déité, ou je ne sais pas comment il faudrait appeler ça, non, Dieu et divinité, je ne sais pas, d'autres... Non, justement, ça ne marche pas avec Dieu, j'avais cherché, c'est pour ça que j'avais repris incarcéré, emprisonné, oui. Prison, parce que c'est le même problème, mais là, on a deux familles dérivationnelles qui partagent une même propriété sémantique, c'est-à-dire qu'il y a prison et qu'il y a même emprisonné qui est sous deux formes différentes, et c'est pour ça qu'on a cette relation entre une famille dérivationnelle et on a une famille lexicale qui englobe plusieurs familles dérivationnelles, mais qui ont une forme radicale dans laquelle on a une forme radicale supplétive de l'une à l'autre. Donc, en fait, ça correspond à ce que tu dis, Sylvain, c'est-à-dire que pour déisme, déiste, on a une relation partielle entre ce qui se passe au niveau sémantique et ce qui se passe au niveau formel. Au niveau sémantique, on a un truc complet. On a le Dieu, mais le Dieu n'est pas réalisé lexicalement parce qu'il est réalisé dans une autre, par un mot qui n'est pas dans la famille dérivationnelle elle-même. Parce que Dieu n'est pas, disons, dans le modèle tel qu'on l'a actuellement, puisqu'on a décidé que la supplétion ne rentrait pas dans la prédiction formelle d'un lexème à l'autre. Quoi. Ouais, c'est ça qu'on a du mal à comprendre apparemment à Nanterre. On a du mal à comprendre pourquoi la supplétion ne rentre pas dans le paradigme formel. Bah, ce n'est pas prédictif, enfin, sauf si après avoir fait, alors ça c'est la deuxième partie du travail de Nabil qui n'a pas eu le temps de le présenter, sauf si tout le monde est là jusqu'à 2h de l'après-midi, c'est qu'en fait, c'est une fois que toutes les familles du lexique auront été reconstituées automatiquement, et c'est ce qu'il a fait avec Basilio, que tu arrives à décider d'un point de vue quantitatif qu'est-ce qui peut être considéré comme suffisamment interprédictible pour rentrer dans un paradigme formel. Oui, voilà, parce que par exemple, pour O et A, quoi. Hein, je me trompe, Nabil ? Non, c'est bien ça, c'est oui. Exactement ça, oui. Mais ce serait heureux, parce que quand tu as des lexèmes qui n'ont aucun dérivé comme O, et que tous les dérivés de O sont soit sur une base latine, soit sur une base grecque, c'est le cas de Dieu, dit Alice. C'est difficile de dire qu'il n'y a pas de relation morphologique. Donc oui, peut-être que Nabil, tu pourrais nous présenter un petit peu tes expérimentations thalistes. Alors, j'aurais juste terminé avant, c'est juste pour montrer que ce modèle est capable de rendre compte de relations qui sont des relations au-delà de la morphologie, par de la superposition de... Ah, vas-y, c'est bon. Passe, là. Non, c'est juste, j'ai arrêté mon... Oui, je suis là, oui. J'ai arrêté le partage. Oui, okay, d'accord, tout avait bougé. Voilà. Parce que si par hasard on n'était pas en mesure, enfin, si le seul lien est un lien sémantique, Dieu est représenté par le lexème Dieu et aussi par le supplétif des ou divine, je ne sais pas quoi, eh bien, il y a un niveau où on peut les relier. Ce n'est pas forcément le niveau morphologique. Si on ne trouve pas de régularité suffisante
en termes formels pour avoir de l'interprédictabilité et donc d'avoir un élément dans le paradigme formel, mais ça pourrait l'être. Donc, dans le pire des cas, on a de toute façon la possibilité de constituer des familles lexicales à partir de familles dérivationnelles. Voilà. Maintenant, je dois vous laisser parce que j'ai une autre réunion. Ah non, il est 11h42. Oh, c'est bon. Alors, j'aurais pas le temps de faire tout le truc que j'avais prévu, mais je peux au moins vous montrer. Pardon, il y avait une question. Oui, alors, pardon. Oui, allez-y. Je connais pas votre prénom. Pardon. On vous entend pas, vous n'avez pas le micro. Si, non, ça devrait fonctionner, désolée. Oui. Je m'appelle Aurélie Ewas, pardon. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai juste une petite question qui est en deux étapes, on va dire. La première étape, c'est pour m'assurer que j'ai bien compris ce que vous avez dit. Du coup, potentiellement, ça a un impact sur la deuxième question. Donc, si j'ai bien compris, le paradigme dérivationnel, il est défini d'un point de vue méthodologique lorsqu'il y a une certaine unité au sein du paradigme sémantique. Alors, pas forcément. En fait, ce qu'il y a, c'est que, disons que ce que proposent par exemple Bonamy et Yana, Olivier et Yana, mais également ce que propose Stekauer, c'est qu'en fait, les paradigmes morphologiques soient définis relativement à des régularités sémantiques. Et c'est pour ça que ce qu'on voit toujours, c'est que ce qui va guider, disons, l'alignement des paradigmes morphologiques pour faire obtenir un paradigme dérivationnel, c'est le paradigme sémantique. Mais ça, c'est un peu ça rend compte un petit peu de l'intuition et du fait que la construction morphologique est essentiellement guidée par la sémantique et l'organisation, disons, morphologique est beaucoup guidée par la sémantique, mais ce n'est pas une obligation. On pourrait aussi imaginer d'avoir, alors je ne sais pas, peut-être qu'en français, c'est des choses qui sont moins claires, mais on pourrait avoir des cas en fait, où ce serait plutôt la forme qui guiderait l'alignement. Et où en fait on ferait un petit peu une sorte d'ajustement sémantique où on va mélanger dans un même paradigme des sens un petit peu différents ou des sens variables parce que en fait on a une régularité formelle qui est suffisamment systématique pour pouvoir guider cet alignement. Donc en fait on aurait un petit peu une sorte d'attitude un peu paresseuse où on ne ferait pas l'effort de créer des nouvelles formes ou de créer des nouveaux paradigmes formels, mais où on accepterait qu'il y ait que les choses bougent au niveau sémantique. Et donc ça, c'est quelque chose que le modèle dont le modèle pourrait rendre compte. Donc là, nous, il n'y a aucune contrainte pour l'instant sur la manière d'aligner en fait les modèles, les paradigmes morphologiques pour en faire des paradigmes dérivationnels. Mais en fait, parce qu'en fait, voilà, et pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Donc, en fait, c'est possible, mais peut-être qu'on arrivera un jour en disant, ben non, en fin de compte, c'est forcément la sémantique qui doit guider les superpositions. Parce que du coup, j'en arrive à la deuxième partie de ma question. Si c'est la sémantique qui guide, la régularité au sein du paradigme sémantique qui guide la création, on va dire, d'un paradigme dérivationnel, à ce moment-là, il y a une influence de la sémantique sur les autres paradigmes formels et pas forcément, parce qu'en fait, même si ça guide, disons qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas forcément d'influence dans la mesure où les paradigmes formels, par exemple, vivent leur vie séparément. C'est juste que il y a une influence uniquement sur la superposition. C'est-à-dire que le paradigme formel tout à l'heure qu'on a vu, F1, F2, F3, lui, d'une certaine manière, il n'a aucune, quoi, lui. Si on se met à sa place, de manière un petit peu abstraite, il n'aurait aucune idée de même que peut-être que la sémantique existe. Le seul chef d'orchestre dans l'affaire, c'est le niveau, le paradigme morphologique, qui, lui, sait tout ce qu'il y a dans le système. Mais en fait, le paradigme formel, il vit sa vie de relations formelles, de régularités formelles qui peuvent exister dans, juste de manière complètement arbitraire, éventuellement, sans aucun lien avec le sens. Et idem au niveau du sens, on peut avoir des tas de régularités sémantiques qui, comme on l'a vu, ne sont pas forcément exprimées et qui vivent leur vie, qui ont leur cohérence, etc. Et quand on met tout ça ensemble au niveau des lexèmes, au niveau du paradigme morphologique, là, les choses voilà. Donc, en fait, je ne pense pas qu'on puisse dire à partir de là que, par exemple, le sens va avoir un effet direct et immédiat et automatique sur la forme. En tout cas, cet effet ne se fera que par l'existence de lexèmes, donc de mots qui incluent ces différentes régularités, qui se placent à l'intérieur de ces différentes régularités. Merci.
bien. Alors, juste dans le petit quart d'heure, sauf s'il y a d'autres questions, dans le petit quart d'heure qui reste, je vais juste ébaucher un tout petit peu l'autre point Je voudrais poser une question, si c'est possible. Alors, oui, ça serait une petite observation d'abord que vous pourrez confirmer ou non. En fait, le type de formalisme et la manière dont vous visualisez le réseau sémantique et en soi formel me rappelle un peu le démon next. Est-ce que, et les motivations derrière ce système qui est envisagé, est-ce que vous pourriez confirmer ça ou c'est juste une observation un peu à part? Bon, après, je veux dire, il y a voilà, comme qui dirait, les chats ne font pas des chiens. Je me rappelle, Demonex, c'est Fiametta et moi qui l'avons conçu, défini, créé. C'est pour ça aussi que je demande. Et Paradis aussi, et on l'a fait en même temps. Et donc, forcément, comme on n'a que deux cerveaux, ces deux cerveaux, ils servent exactement de la même manière dans les deux cas. Voilà. Donc, en fait, c'est pas du tout un hasard. C'est qu'en fait, la mise en place de ce modèle, elle est vraiment ancrée dans la création de la ressource et de tout ce qu'on a, de toute la réflexion et de tout le travail qu'on a fait au niveau de Demonex. Donc, en fait, les deux efforts ont été faits de manière complètement parallèle. Donc, Fiametta, tu peux compléter. Donc, c'était vraiment fait de manière parallèle. Et effectivement, s'il y a des ressemblances, elles sont pas forcément intentionnelles, mais elles sont tout à fait naturelles dans la mesure où ce qu'on cherche, nous, c'est une conception de cet ensemble-là, et à la fois d'un point de vue un petit peu plus formel, théorique, disons, et puis à la fois aussi du point de vue des ressources et de sa mise en œuvre, de montrer qu'effectivement, ça peut marcher et de ce que ça fait au niveau des données donc décrites. Et donc, Demonex et Paradis sont vraiment les deux pieds sur lesquels s'appuie, sur lesquels on essaie de marcher et d'avancer pour le dire. Donc, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais, il faut commencer à un moment, quoi, il faut à un moment faire le travail sur le plan de la ressource pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau théorique. C'est exactement dans cette discussion entre théorie et TAL qu'on se place. Et comme je dis, c'est vraiment deux pieds sur lesquels on essaie d'avancer, de marcher et d'avancer. Voilà. Je ne sais pas si Fiametta, tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'est juste qu'on va du démon jusqu'au paradis. Et puis voilà, c'était pour dire une connerie, maintenant j'arrête. On est bipèdes, c'est les deux. Voilà, voilà c'est ça. Donc, oui, allez-y. Bah, et la question, il y a de l'écho, je suis désolé. La question, elle va toucher à la couche catégorielle que vous avez décrite et qui constitue le réseau dans sa globalité. Il a été noté de manière peut-être sous-jacente que les constituants du paradigme catégoriel ne seraient pas interdépendants. En tout cas, le formalisme, s'il y avait, alors il y a un N, est plus ou moins intuitif, hein, comme vous l'avez remarqué. Par contre, l'inverse ne l'est pas du tout, en tout cas pas en français. Et au-delà, la comparaison entre le nombre de noms et de verbes des relationnements connexes en langue agglutinante et synthétique, comme le français, démontre que les familles agglutinantes sont tout simplement plus larges. Et ces noms donnent des verbes plus volontiers. Donc, vous avez, je crois, mentionné qu'il y a encore beaucoup à examiner pour avancer l'analyse, ou en tout cas, étant donné votre système. Et quelle sera, par exemple, la première piste dans le cadre de votre recherche, parlant d'une notion aussi controversée que la catégorie morphologie, en fait? Alors là, j'avoue qu'en fait, nous, pour l'instant, on est en train de travailler plutôt sur les côtés sémantiques avec Fiametta et Daniel et Sanacor, parce qu'en fait, là, voilà, c'est des choses avec lesquelles on est un peu plus familier et on est un peu plus à l'aise. Je sais que il y a beaucoup de travail qui a été fait par Michel Rocher, par Marc Plena et d'autres sur les questions morphophonologiques qu'on pourra intégrer normalement dans ce type de modèle. Ça, c'est des choses effectivement qui se font. Le côté catégoriel, c'est vraiment la partie auquel peu de gens se sont frottés, parce que je pense que d'abord, on ne sait pas forcément comment l'attraper. Et par ailleurs, en fait, le travail que je viens de présenter là, éventuellement aurait l'intérêt qu'il définit, disons, un cadre. Et donc, en fait, on va pouvoir savoir que on va essayer de mieux savoir comment est-ce qu'il faut aborder ces questions-là, et qu'est-ce qu'on essaie de mettre en évidence lorsque l'on va s'intéresser à ces questions, parce qu'en fait on sait dans quel cadre elles se placent. Voilà.
Donc, en fait, éventuellement, si... Mais pour l'instant, je ne connais pas de travaux qui ont été réalisés, sur ce... Juste si je peux intervenir une seconde, je n'ai pas très bien compris quand vous dites que le fait d'avoir un nom ne va pas avoir comme, enfin, ne prédit pas l'existence d'un verbe, c'est ça que vous dites ? Oui. C'est pas vrai. On a des affixations dans toutes les langues, notamment je pensais à l'anglais ou en français, où on est toujours en mesure de fabriquer un verbe à partir d'un nom. On peut avoir la suffixation en isé ou ifié ou la préfixation en an. On va toujours avoir le moyen de fabriquer un verbe à partir d'un nom ou même à partir d'un adjectif. Donc je pense que la relation, quand on a un nom, on pourra toujours fabriquer un verbe, me semble pas très risqué. Même si on a moins de construction et moins peut-être moins transparent ou moins pseudo-flexionnel que dans d'autres types de langues. Hein, ça, c'est vrai que vous avez relevé deux suffixes qui sont verbaux, qui sont très productifs en soi. J'ai pas pensé à ça. Isé et ifié. Oui. Ou la conversion, vous incluez la conversion ? Oui, la conversion aussi, bien sûr, oui. Ça va de soi. Voilà. Du coup, il y a beaucoup d'allomorphie avec la conversion. Du coup, il y a beaucoup d'allomorphie, oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Voilà, ça, il y a des gens qui ont vraiment traité cette question en détail et on va s'appuyer sur leurs travaux pour… voilà. Bien, alors dans les 5 minutes qui restent, je vais juste vous montrer, absolument juste montrer vraiment, je suis désolé de voilà. En gros, le type de données que l'on a… sur lesquelles qu'on a… Alors, attendez, donc… Voilà, ça, je ne sais pas si ça marche. Ouais. Donc, on est en train de construire. Et donc, en fait, là, c'est vraiment les premières étapes de cette construction que je présente, sachant que le travail est en cours et devrait finir, et en tout cas, est même largement réalisé, pour atteindre des véritables paradigmes dérivationnels. C'est quelque chose sur lequel on est déjà pas mal avancé. Alors, c'est un travail qui n'est pas complètement fini. Et donc, voilà. Mais alors, donc, je vous montre ce travail. Donc, ici, la deuxième partie aurait dû s'appeler les sœurs Glaouinet, et en sous-titre, acquérir des descriptions morphologiques dérivationnelles à partir des dictionnaires. Donc, c'est un travail qui est en collaboration avec Basilio Calderone, Franck Sajous et Fiametta, que l'on fait qui est l'autre volet, donc une partie de l'autre volet du travail. Donc, en gros, l'idée, c'est d'extraire à partir de construire en fait trois lexiques dérivationnels, l'un pour le français à partir du dictionnaire électronique Glaoui, l'un pour les Glaouinet, Glaouitina pour à partir du dictionnaire électronique de l'italien Glaouit, et Nglaouinet pour à partir du dictionnaire électronique de l'anglais Nglaoui, donc qui ont été présentés. Donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble en fait. Donc, et vous décrire ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, c'est des lexiques qui sont déjà assez conséquents. Par exemple, pour Glaouinet, on a un lexique qui comporte à peu près 100 000 lexèmes, entre lesquels il y a 47 000 relations morphologiques. Elles s'organisent en 16 000 familles dérivationnelles et on a 5 400 séries dérivationnelles, donc en gros, ensemble de coupes de lexèmes. Glaouitina, lui, est plus petit parce qu'en fait, le lexique, le dictionnaire est plus petit. Et donc, en gros, on n'a que à peu près 15 000 lexèmes et quelque chose comme 5 000 familles dérivationnelles. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, donc voilà, ça, c'est un extrait de Glaouinet. Donc, dans Glaouinet, on a des séries, des familles morphologiques comme celle-là. Donc, celle-là, elle n'est pas complète. C'est celle de la famille de Serré. Et donc, on peut voir que l'on a à la fois des relations de préfixation comme Serré et Desserré. On peut avoir des choses qui sont comme des suffixations classiques comme desserrer, desserrement ou desserrage, desserrer. On peut avoir ici de la variation puisqu'en fait on va avoir les deux suffixations qui sont présentes. On a des conversions comme desserre, desserrer. Et on a aussi des relations qui sont un peu plus complexes puisqu'on a desserré, indesserrable. On peut avoir des relations qui inclut à la fois une préfixation et une suffixation. Voilà. Donc, ces relations ces familles sont constituées de manière totalement automatique. Et donc, en fait, celle-là, elle n'est pas complète parce qu'elle ne rentrait pas sur la diapo. Mais en fait, il y a peut-être encore une quinzaine d'autres couples qui ne sont pas là. Donc, on voit que ça couvre bien l'ensemble de cette
l'ensemble de la famille dérivationnelle, qu'on a, on rend compte du fait que en fait, les relations à l'intérieur des familles dérivationnelles sont très variées du point de vue formel. Et voilà. Donc, à côté de cette description de famille, donc en fait, qui est vraiment en fait, qui repose sur la définition qu'on a vue tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire que c'est des ensembles de l'exème qui sont réunis par des relations dérivationnelles. Et uniquement ça, on a une description, une caractérisation des relations dans chacune de ces relations. Donc, par exemple, en fait, cette description se fait au moyen de patrons qui sont ici. Donc, par exemple, la relation entre enserré et enserrement, c'est une suffixation en -ement, et elle est décrite dans Glaouinet comme étant comme consistant en fait en une relation où on a un patron où enserré relève d'un patron. Où c'est un verbe qui finit en ER ici et qui a un radical, et le enserrement, c'est satisfait un patron de même type, où en fait on a le même radical qui est ici. Donc en fait, cette séquence ici, point et point plus, doit être interprétée comme désignant le même radical pour les deux lexèmes et qui finit en -ement. Et donc en fait, et c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'on a formellement en tout cas. Ce qu'on a, c'est une suffixation en -ment, et en fait, comme en fait ici le verbe a pour déclinaison pour marque d'infinitif er, donc ça fait ici -ement pour pouvoir être formellement exact. Donc on a la même chose ici pour desserrer et desserrage. On voit que on peut avoir des choses comme des préfixations ici, par exemple réensérer, enserrer. Donc on a une préfixation en ré. Qui est appliqué ici à un verbe en ER. Et on peut avoir des choses plus compliquées comme indesserrable, desserré. Donc on a une préfixation ici et une suffixation qui sont décrites au niveau du patron. Alors ces patrons-là, en fait, ils sont construits également de manière complètement automatique, c'est-à-dire que c'est par programme que l'on obtient en fait toutes ces associations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles rendent compte d'une certaine manière de la manière dont les linguistes ou en tout cas, quand nous on manipule ces objets-là, si je dis serrure, je vais avoir tendance à dire que c'est un nom en ur. Voilà. Et c'est un petit peu ça ce qui est recherché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voilà, en le mettant en relation avec serré, on voit qu'ici on a un er et ici on a un ir. De même, si on dit serrurerie, c'est bien un nom en eri et serrurier, c'est bien un nom en ier. Donc en fait, c'est un peu ça qui était l'objectif du voilà. Donc, en fait, on a exactement la même chose pour l'italien et pour l'anglais. Donc, pour l'italien, on a glauitina. Donc, ici, c'est la famille de battere. Voilà, on a abattare, abattibile, abatte. Voilà, donc, je vous épargne mon accent italien infâme. Donc, voilà. Donc, en fait, on voit qu'on a exactement… Donc, ça, c'est une famille, par contre, qui est complète. Et donc, on voit, ça va de sbattere, de sbattere, battere, à abattare, abattibile. Et donc, là, on a l'ensemble de la famille. Et exactement de la même manière, on peut décrire ici, alors, d'une manière plus ou moins satisfaisante, donc les relations qu'il y a. Donc, ici, par exemple, pour abattare, battere, le système a préféré en fait considérer l'initiale bas qui a pas de sens, qui est pas vraiment pertinente dans ce cas-là. Alors c'est pas faux de l'écrire, mais effectivement c'est pas comme ça qu'on l'aurait décrit. Par contre, pour ici sbattere, on a bien le s et le ré qui est bien le marqueur de l'infinitif verbal, et donc là on est beaucoup plus exact. Voilà. Alors, ça, c'était pour Glauitina. Donc, pour Nglauinet, on a exactement la même chose. Donc, là, ici, on a la famille de Scratch. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a en anglais beaucoup de composés. Donc, ici, par exemple, Backscratch, Scratch. Et donc, en fait, on a aussi des variantes. Donc, Cratch et Scratch qui sont récupérés par le système de manière un peu automatique. Et on a des descriptions un peu du même type donc, qui sont obtenues. Voilà. Donc ça, c'est des lexiques qu'on a construits ou qu'on est en train de construire de manière automatique à partir de ces
pardon, à partir de ces dictionnaires électroniques et qui vont vraiment nous servir de base, de matériaux à partir duquel on est en train de construire et on a construit un certain nombre de paradigmes dérivationnels complets. Dans la mesure où, comme on l'a vu, en fait, les familles sont l'élément de base sur lequel on construit les paradigmes. Et donc, en fait, à disposer des familles comme c'est possible là dans ces trois lexiques, nous permet, disons, de proposer de proposer une description plus paradigmatique. Alors, quand on regarde ces familles-là, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on les observe et qu'on essaie de se dire, bon, mais en fait, un paradigme, c'est une superposition de familles, lorsqu'on essaie de superposer les familles que l'on récupère comme ça de manière automatique, on se rend compte que ça ne donne rien et qu'en fait, il faut absolument travailler disons, redéfinir ou en tout cas développer une réflexion et un travail qui est beaucoup plus important que juste de se dire, je vais les superposer pour obtenir des paradigmes. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse, puisqu'il est midi, donc normalement, c'est… Déjà, il y a une question là, Sylvain. Il demande Sylvain, écrire ou juste écrire dans le lexique, en gros, si c'est lémétisé, quoi, c'est ça? Donc là, dans le lexique, il n'y aura que écrire, oui. Ici, là, c'est où que c'était? Donc en fait, c'est un lexique de l'EM, en fait. Ça pose un vrai problème par rapport même à votre approche, enfin même par rapport à votre modèle théorique. Ah mais en fait, alors ce qui se passe, c'est que là, l'idée, c'est pas d'avoir l'idée à ce niveau-là, c'est pas d'implémenter le modèle théorique du tout. En tout cas, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre un lexique, donc un dictionnaire, et de se dire comment est-ce que je peux faire pour essayer de faire ressortir une organisation paradigmatique des relations morphologiques qui est à l'intérieur de ce lexique, indépendamment, en tout cas sans avoir l'ambition d'implémenter fidèlement tout ce qu'on a présenté dans la première partie. C'est vraiment quelque chose qui est fait en se disant bon, mais il n'y a pas a priori pour le français encore de lexique à très large couverture et très complet, un peu comme l'équivalent Il y a quand même le LEF, Nabil. Enfin, il y a quand même des bonnes. Non, mais le LEF, il ne donne pas des relations dérivationnelles. Si. Non, mais je veux dire, tu peux avoir le paradigme. Je pourrais avoir le paradigme. Ah, oui, non, mais en fait, nous, on l'a, puisqu'en fait, dans Glaoui, il y a les paradigmes flexionnels complets de tous les lexèmes. Donc, c'est bizarre, je trouve, même de partir de l'infinitif. Enfin, si tu ne prends qu'une seule forme pour le verbe, disons, au moins, oui, on pourrait avoir quelque chose comme ça, mais ça va compliquer énormément les calculs. Donc, déjà, tu vois, là, il y a les calculs sont assez compliqués à réaliser. On pourra le faire en reprenant tout ça et en le faisant au niveau des formes fléchies. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, sauf que dans un premier temps, là, on a travaillé uniquement à partir des lemmes, parce que en fait, si on arrive à montrer que ça marche au niveau des lemmes, donc on pourra ensuite aller aux formes fléchies et aller à trouver quelque chose d'un peu plus complet. Mais là, en fait, c'est fait vraiment au niveau des lemmes. Alors, une autre raison pour laquelle c'est fait au niveau des lemmes, c'est qu'en fait, on part du dictionnaire. Et donc, dans le dictionnaire, en fait, on a effectivement les entrées, ce sont des lemmes. Et donc, c'est vraiment ce qui est le plus accessible et ce qui est le plus facile, ce à partir de quoi on peut travailler le plus facilement. Voilà. Il y avait deux autres questions. Il y a une question de Fed Sarawi. Vous travaillez sur quel outil informatique pour traiter ces requêtes? Alors, c'est pas des outils informatiques. En fait, c'est un ensemble de programmes. Donc, en fait, ces trois lexiques-là sont construits exactement avec les mêmes programmes. Donc, c'est un ensemble de programmes Python qui sont complètement ad hoc. Donc, en fait, ça, c'est une des caractéristiques de ce travail, c'est que ce n'est pas du tout un travail qui est fait comme dans la plupart des travaux en morphologie actuellement, qui sont plutôt dans le deep learning et dans des travaux à base de réseaux de neurones et des travaux statistiques qui marchent très bien. Donc, par exemple, le travail de Rob Malouf qui est vraiment exceptionnel pour ce qui concerne la flexion. Donc là, ce n'est pas vraiment fait dans cet objectif-là, mais c'est plutôt fait dans l'objectif d'essayer de construire une ressource
pour trois langues qui soient à peu près du même type et qui décrivent les relations morphologiques dans un but qui puisse servir donc à faire du tal et qui puisse servir éventuellement à faire de la description linguistique, donc de faire de la linguistique de corpus à partir de ces données-là. C'est vraiment des outils pour la linguistique de corpus et pour le tal que c'est fait. Et donc, en fait, il n'y a pas de donc c'est vraiment quelque chose qui est fait un peu manuellement, mais tout est fait par programme. Voilà. Les programmes sont écrits à la main, mais tout est fait par programme. Voilà. Et la deuxième question, c'était… Il y avait une remarque, c'est en remontant un petit peu plus haut, une question de 11h54. Pour la question des catégories, donc c'est Yanis, on peut peut-être les rendre interdépendantes parce qu'elles héritent de leurs propriétés argumentales. La relation entre laver et lavage n'est pas juste une alternance verbe-nom pour la syntaxe, mais une alternance entre verbe et nom qui a des propriétés argumentales de verbe. Je vois à peu près. Donc en fait, au niveau catégoriel, en fait, savoir si la structure argumentale va être décrite à ce niveau-là ou pas. Et ça, c'est vraiment une question à laquelle j'ai réfléchi une fois ou deux. Donc on a réfléchi une fois ou deux, mais c'est pas. On s'est jamais intéressé de manière suffisamment détaillée à ce qui se passe au niveau catégoriel pour pouvoir répondre à ça. Je crois que Bernard a dû faire des choses de cet ordre là-dessus, mais j'ai pas de, je me rappelle plus très bien. Je crois que Bernard a écrit plusieurs fois des choses sur ces questions-là, en fait, sur les relations qui existent entre les structures argumentales et les relations morphologiques. Donc il n'y a pas que lui, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui l'ont fait. Mais c'est pas quelque chose qu'on a intégré pour l'instant dans notre réflexion et dans ce système-là. Ouais. Comment explique-t-on ? Alors, il y a une troisième question qui est comment explique-t-on l'écart pour Abatal ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit ici, le fait qu'on ait ce Abba ici et ce Ba, là, vient du fait que tous ces patrons-là sont identifiés de manière complètement automatique. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'objet de la suite de l'exposé que malheureusement je ne vais pas avoir le temps de détailler. Mais en gros, une fois que l'on a mis en relation Abatar et Batal ici, on va générer un ensemble relativement important de patrons différents qui peuvent décrire cette relation-là. Et qui sont en fait des régularités formelles de la série des mots qui sont préfixés en ab ici. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de mots préfixés en ab qui contiennent ba. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a ce doublement du b ici. Et le doublement du b, il est lié à la présence d'un b à l'initiale ici du mot. Et donc, en fait, cette régularité-là, le système va déterminer que, en fait, lorsque on a une préfixation en ab, eh bien, en fait, le mot qui suit, quand c'est un verbe, il commence par BA souvent. En tout cas, c'est la conclusion, c'est la régularité qu'il a observée. Et donc, il va conserver cette initiale BA, même si, d'un point de vue plus linguistique, en fait, il n'y a pas besoin de la spécifier. Et on a quelque chose qui est en AB ici. Sauf que, c'est ça. Et il n'y aurait pas besoin de distinguer, disons, les verbes qui commencent en bas. Voilà, ça c'était pour répondre à Mireille Suma. Bien, donc en fait, ce que je voulais dire, c'était que je peux vous dire en gros juste les principales étapes de la manière dont c'est construit, et puis peut-être qu'on pourra s'arrêter à ce niveau-là. Donc en fait, on part en fait des définitions du dictionnaire. Alors, les définitions sont utilisées pour en fait extraire des relations sémantiques qui sont brutées. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre l'ensemble des couples de mots où un mot est l'entrée et l'autre est un mot de la définition. Et on va constituer tous ces ensembles de mots-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces couples de mots vont nous permettre éventuellement de récupérer de l'information que l'on trouve dans les définitions morphologiques. Donc, une définition morphologique, c'est une définition où on va définir un mot par un mot habituellement construit en utilisant un autre mot de sa famille morphologique.
À partir de là, une fois que l'on a ces relations-là, entre des mots que l'on a... Donc, en fait, une fois qu'on a, donc, par exemple, ici, clocheton est défini à clocher, ici. Voilà, clocheton, c'est petit bâtiment en forme de clocher. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer, en fait, comme on ne sait pas reconnaître les définitions morphologiques, on va créer l'ensemble des couples, on va créer un ensemble de couples où on va mettre clocheton en relation avec petit, avec bâtiment, avec forme, avec clocher, avec tourelle, etc. Et on fait ça pour tous les mots, pour toutes les définitions du dictionnaire et pour tous les mots du dictionnaire. Et ensuite, on se dit que lorsque l'on, par rapport à dans tous ces mots-là, ceux qui vont avoir des régularités formelles vont être les mots qui nous intéressent et vont être potentiellement des mots qui sont en relation morphologique. Pourquoi ? Parce que, a priori, lorsque ce mot-là se trouve dans la définition, il est, d'une certaine manière, sémantiquement connecté ou en relation avec le mot qui est ici. Et donc, en fait, en croisant ces deux dimensions-là, on peut arriver à identifier de cette manière-là des mots qui sont morphologiquement construits. Voilà. Et, donc, en fait, la première étape, c'est ça, c'est construire tous les couples de mots sémantiques. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser des analogies pour identifier des régularités formelles qui permettent de filtrer donc, ces relations sémantiques bruitées. À partir de là, on va essayer d'extraire des régularités formelles qui permettent de constituer des séries. Donc, là, une fois qu'on a trouvé ces régularités formelles, on a des séries qui sont à peu près propres. Et ce qu'il y a, c'est que là où il y a une contribution, c'est qu'une fois qu'on a ces séries-là, on est capable de les filtrer à nouveau en disant, ben, en fait, les mots qui appartiennent à une série, donc à une construction régulière morphologique, elles sont formellement régulières. Et donc, on peut essayer de retrouver les régularités formelles au sein des séries. Donc, ce qu'on appelle séries, c'est les couples de mots comme laver, lavage, raser, rasage, je sais pas, brosser, brossage, etc. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va obtenir en fait un ensemble de, on obtient en fait les familles que j'ai présentées tout à l'heure. Et à partir de ces familles-là, on peut arriver ensuite à identifier des patrons au sein de ces séries-là et trouver par un petit procédé, par un petit algorithme, en fait, en essayant de chercher les exposants les plus pertinents, on est capable de retrouver les bons exposants. Je suis désolé, c'est un peu confus là, tout ce que je dis, mais en fait, il aurait fallu que j'avais pas mal évalué le temps qu'il fallait pour présenter la première partie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions. Bon, c'est vrai que j'ai pas. Oui, il y a une question dans le chat de Alice. Les modèles sémantiques seraient-ils susceptibles d'aider à trouver des régularités sémantiques? Oui, ça c'est possible, et ça c'est le travail qu'on fait qu'on envisage de faire avec Daniele. Ça c'est aussi des choses qu'on fait avec Marine Vauquier là qui soutient vendredi prochain. Donc en fait l'idée ça serait effectivement que l'on pourrait dans la même démarche, aller récupérer des régularités sémantiques en utilisant des modèles comme BERT, par exemple, pour aller trouver, donc, que l'on pourrait par exemple appliquer à des données lexicographiques pour trouver des régularités au niveau des séries et des familles. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'intention de faire. Notamment avec Daniel et Sanacor dans le cadre de sa thèse. Voilà, c'est quelque chose qui devrait bien marcher normalement. Il y a de très fortes chances qu'on puisse trouver des résultats intéressants de ce côté-là. Parce qu'en fait, les modèles distributionnels vont pouvoir nous permettre d'identifier des relations sémantiques relativement précises. Voilà. Bien, je pense que voilà, je n'ai pas le temps vraiment de rentrer plus dans les détails. En tout cas, il m'aurait fallu peut-être une bonne demi-heure de plus pour arriver à dérouler l'ensemble de la procédure qui est utilisée pour construire ces ressources. C'est la seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une ressource qui est complètement un peu émergentiste, c'est-à-dire qu'au départ, on considère toutes les relations sémantiques possibles. Donc on part d'un matériau qui est extrêmement bruité et ensuite on le raffine petit à petit jusqu'à arriver à ce résultat-là qui commence à ressembler à un résultat intéressant. Et ce résultat-là, lui, c'est seulement une étape dans la constitution des paradigmes dérivationnels tels qu'on les a vus dans la première partie de l'exposé.
Voilà, mais merci beaucoup. Dans la mesure où... Oui. Merci infiniment. Dans la mesure où vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour traiter cette deuxième partie qui, à mon avis, doit intéresser pas mal les membres du labo, est-ce que vous auriez une publication ou un draft que... Oui, alors il y a un article ALREC 2020 qui décrit ce travail. D'accord, très bien. Voilà, donc en fait, c'est avec les mêmes auteurs que ce que je disais. Et en fait, la présentation, normalement, présente un petit peu ce travail-là. Oui. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Nabil. Même si on t'a interrompu beaucoup, c'était très complet comme présentation. Tu as répondu à plein de questions. Donc. Je ne sais pas si Florence veut avoir le mot de la fin. Non, c'est bon. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ces conditions assez difficiles. Donc, au plaisir de se voir en vrai à Paris ou à Toulouse. C'était un exposé vraiment très complet, très stimulant. Moi, j'ai pris, même si la morphologie, ce n'est pas dans mon cadre, j'ai pris vraiment pas mal de notes. Et notamment l'idée d'interprédictibilité est vraiment intéressante. Moi, je sais que c'est quelque chose que je vais essayer d'appliquer un petit peu plus dans les grammaires de construction. Donc, ce titre-là, c'était vraiment très, très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci aussi au public qui était nombreux. On a fait une pointe quand même à 39 participants, ce qui était très bien. Le prochain séminaire aura lieu, si je ne me trompe pas, donc pas en décembre, mais au mois de janvier. Ce sera le 26 janvier 2021 et on accueillera Jonathan Ginsberg de l'Université Paris Diderot. Donc, je précise que là, donc, on a cette année, la nouveauté, c'est qu'on a enregistré ce séminaire. Donc, je vais voir comment on peut le récupérer à partir de Zoom. Et on restera en lien, notamment pour voir comment on peut l'archiver. Sylvain, mot de la fin ? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, ben voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous et voilà. À bientôt. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'était vraiment très intéressant et les discussions étaient très enrichissantes. Merci. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Et Nabil, je voulais juste demander, comme avec Englaoui, là, vous récupérez pas mal de relations avec les composés. Oui. Tu vois qu'automatiquement, tu peux les établir quand même. En fait, ce qu'il y a, c'est que les composés, on les récupère au niveau des familles. Sauf qu'après, en fait, il faut. C'est ça. Tu ne peux pas les prédire. Le gros problème, c'est qu'il faut les mettre de côté pour pouvoir faire des. Parce qu'en fait, ils sont dans les familles, mais ils ne rentrent pas dans les paradigmes. Donc, quand tu les as dans les familles, tu es vachement ennuyé parce que il faut que tu en fasses quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Tu te retrouves avec des familles qui sont pleines de composés. Chose, et en fait, tes paradigmes, à la fin, il ne faut pas qu'il y ait des composés dedans. Voilà, c'est ça le problème. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait. Et donc, en fait, un des problèmes qu'on a là, justement, et qu'on est en train, sur lequel c'est un travail qui avance, mais qui avance pas forcément aussi vite que ça, parce qu'on est, on est un peu, disons, freiné par un certain nombre d'autres questions. Mais en fait, voilà, tu as mis le doigt sur le truc un peu compliqué dans toute cette affaire-là, qui est qu'il faut arriver à gérer les composés, en fait, voilà. Parce qu'on en récupère plein en anglais. Et alors qu'en français, en italien, il n'y en a quasiment pas. En tout cas, c'est pas suffisamment régulier pour que tu les gardes au niveau des familles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, mais oui. Si. Voilà. Avec l'allomorphie et la supplétion, vous avez du boulot. Oui, oui. Non, mais c'est bien. J'ai encore 10 ans de carrière. Donc, je vais m'occuper. Voilà. Merci beaucoup. Ok, super. Fiam. Merci. Ciao. Fiam, tu disparais. Fiam, elle disparaît, elle réapparaît. Qu'est-ce que tu fais là, Glaouinette? C'est-à-dire que j'ai cours dans 10 minutes. Bon, et moi j'ai une réunion dans 10 minutes. Je dois vous laisser. Moi c'est pareil, okay. J'ai une réunion dans 10 minutes. Ok, bien, mais au revoir, merci à tous et à très bientôt.